Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour le live du mercredi soir. Yes! Salut Olmat, salut 9N, salut Togwen, salut Adrio, salut Naya, salut Matt, salut Ferdit, salut Lily, hello, comment allez-vous? Ça va bien aujourd'hui? Salut tout le monde, salut Blagoku, hello! Salut Finko, hello, salut Neige, salut à tous. Bon, vous êtes remis, ça y est, du live Halloween, hein? Oh là là, la rediff est dispo d'ailleurs, hein, pour ceux qui l'auraient toujours pas vu, elle est dispo sur YouTube. Salut Glax, hello. Ouais, il fait déjà nuit. Alors par contre, ça me déprime. Genre, le changement d'heure là. Merci Glax, merci beaucoup pour le Prime. Merci à toi, c'est adorable. Vous avez vu, je suis un ange. Oui, je suis un ange. Ah. Salut Gagou, hello, bienvenue à toi, salut Siraz, comment ça va bien? Bon, la dernière fois, on a fait pas mal de trucs. Ah, bah voilà Phoenix, Phoenix qui va venir terminer sa maison, trop bien. Salut Vava, hello. Salut Liorex. Ah, t'es un démon toi? Ah, rip. Merci pour le glouglou, Adrio. Je me suis fait un petit thé là, enfin non, une tisane, pas un thé à cette heure-là. Voyons, mamie Flanou, voyons, n'importe quoi. Yes. Bon, on va continuer la map aujourd'hui. Pour ceux qui savent pas, il y a genre une ou deux semaines, je sais plus. On a commencé... Non, elle est pas finie. On a commencé à faire une map avec les abonnés, donc avec la commu, voilà où on en est. On l'a fait que en live, donc comme ça, pour ceux qui suivent les lives régulièrement, vous voyez vraiment l'évolution. Ouais, j'ai gardé mon skin Halloween pour le moment. Ouais, je... Oui. Ouais, bon, c'est bon, on est le 2 novembre, c'était hier la Toussaint, c'est bon. Donc voilà, les maisons qu'on a faites, donc en fait c'est un village, ce sera pour faire une map aventure, non pas du café à cette heure-là, je viens de dire, une tisane, vous écoutez rien. Et dans 2 minutes, il y a quelqu'un qui va demander qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, alors que c'est écrit dans le titre. Je vous jure, oh là là. Aïe aïe aïe, les vacances, ça y est, hein, c'est le relâchement, plus personne n'écoute rien. Salut Shiza, comment tu vas? Hello, hello. Donc voilà, il y a plein de maisons qui ont été faites par les abonnés. On a choisi un pattern de blocs, enfin une palette de blocs, afin que tout le monde puisse avoir eh bien, les couleurs similaires pour les builds, bien que le type, enfin, la forme des maisons est vraiment au bon vouloir de chacun. Il manque un peu de mud, là, peut-être, sur la façade de Héloïse. Il manque aussi la cobble et la... ça. Vous voyez? La base. Mais bon. Voilà. Est-ce que tu bois du café parfois? Oui, oui. Salut Clem. Hello. Donc voilà, les maisons. Alors, il me semble qu'il y a quelques intérieurs. Oui, il manque un petit peu de déco, mais sinon, ça va, c'est bien décoré. Ensuite, on a des bâtiments spéciaux, entre guillemets, puisque ce sera une map aventure. Donc, on a par exemple le commissariat, voilà, qui est ici. Salut Elliot, salut Soriko, hello, ça va bien? Ah, ça fait du bien. Donc le commissariat de police, évidemment, où on viendra enquêter et tout ça. Alors, on va peut-être enlever le sang parce que ça fait un peu beaucoup. Oui. Voilà. Avec les vitres teintées et tout ça. Après, ouais, on va faire l'histoire, les quêtes et tout. Alors, pour aujourd'hui, ce qui reste à faire, il y a pas mal de petites choses. Il y a une maison à faire. Mais attends, mais elle est où la maison qui reste à faire? Ça, ce sera la taverne. Ça, c'est la taverne. Je suis pas sûre de la forme ici au bout. Je sais pas qui est-ce qui a commencé la taverne. La maison... Ah si, elle est là. La maison qui reste à faire. Alors, pour aujourd'hui, pas mal de boulot. J'ai encore le skin Halloween. Oui. Moi, j'aime bien, en vrai, les choux, non? Bah, j'ai pas fait encore le skin Noël. Je trouve que c'est trop tôt. Attendez, on est début novembre. On va pas déjà faire Noël, non? J'ai beaucoup, quand même. Intermittente du spectacle. Comptes-tu ouvrir ton serveur un jour? Bah, c'est pas prévu pour le moment. Salut Utao. Après, tu sais, je vois pas trop dans l'avenir, genre, peut-être qu'un jour, je trouverai des gens compétents et tout, parce que, bon, faut savoir qu'un serveur, ça se fait pas comme ça, hein. Il faut des développeurs et tout. Et il faut des développeurs Java, qui s'y connaissent, qui soient dispo, voilà quoi. Et pareil, les développeurs, si tu les embauches, bah, faut les payer. Donc, il faut de l'argent. Donc, voilà quoi. Un serveur, c'est pas simple, hein.
C'est pas si simple. Après, tu sais, juste faire un serveur comme ça qui va durer genre 2 semaines, ça c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais faire un serveur vraiment communautaire, qui va durer dans le temps et tout, c'est énormément de taf, hein. Je pense que vous vous rendez pas compte. Salut Jamalou, hello. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Cette map aventure, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Il nous reste donc la maison, une maison et déco intérieure. Il y a plein de gens qui n'ont pas lu les messages épinglés. Oh purée. Message épinglé. Hop. Alors, donc il nous reste une maison et faire la déco intérieure. Il nous reste la taverne. Je sais pas qui est-ce qui taffe sur la taverne. Je sais pas du tout. Cabane de sorcière à l'orée de la forêt. Les lampadaires et les décorations dans la ville. Je sais que Al Toxic m'a dit qu'il avait envie de continuer un petit peu de travailler sur la ferme. Il a prévu de faire des silos à grains et tout. Donc trop cool. Comme ça va ajouter bah, du lore et de la vie au village. Donc ça, très très cool. Ici, ce sont... non, mais abusez pas, on est sur une map aventure RP, on va pas faire des grosses flèches, on n'est pas sûr. Mon Dieu! Non, mais alors par contre, sur les lives Halloween, déjà la dernière fois, on était en live quand la dernière fois? Samedi, sur cette map, et on discutait du fait que les brocolis, la communauté, a un problème avec les WC. Oui. Et effectivement... Sur le live Halloween, ils ont encore eu un problème avec les WC. Mais à chaque live, vous allez me parler des WC, mais c'est pas normal, hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. Il y a un truc, genre. Y a pas quelqu'un qui a fait psycho là pour dire ce que ça représente l'obsession des toilettes, parce que. Il y a un truc, hein. Ouais, il y a un truc, vraiment. Il y a quelque chose, hein. Je sais pas ce que c'est, mais. Y a pas un psy là? Salut Maglox, hello. Attendez, je vais chercher sur internet. Salut. Ah non, je vais tomber sur les trucs chelous, je pense. Obsession des toilettes. Salut Nadia. Quand la propreté du corps devient une obsession. Non, c'est pas ça. J'ai tout le temps peur d'avoir envie de faire pipi. C'est pas ça. Comprendre les tocs et troubles obsessionnels. Non, vous, c'est vraiment, vous êtes obsédé par les toilettes. Comment gérer le passage aux toilettes en société? Peur de faire caca. Non, c'est pas ça. Bon, ben, je sais pas, du coup, si un psychologue qui passe dans le coin ou si un de vos parents est psy, posez-lui la question. Pourquoi les gens dans les jeux vidéo sont... Enfin, en tout cas, ma communauté, sont obsédés par les toilettes. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, ils veulent que je fasse des toilettes. Salut Nina! Hello, comment ça va? Non mais c'est trop bizarre! Je comprends pas! Autant la cuisine, je comprends. La chambre, je comprends. Mais les toilettes, t'y passes pas ta vie, quoi, je veux dire... Bon, je sais pas. Moi, c'est le genre de truc que je fais jamais, quoi. Peur de faire tomber son tel dans les toilettes, n'importe quoi. Merci, Supra! 21 mois! Incroyable! À 3 mois des 2 ans! Yes! T'auras le nouveau badge, du coup, bientôt. Je suis toujours le roi des évolis. Ouais, ça reste à voir, hein, mais merci beaucoup, merci. Pas envie d'aller au puits. Ah oui, d'ailleurs, faut qu'on fasse le passage secret du puits aussi. Attendez, je le rajoute sur le message Discord. Passage. En vrai, s'il y en a qui sont chauds en redstone, passage secret du puits, vous pouvez le faire. Donc, qui fait quoi? Donc Phoenix. Phoenix, faut qu'elle améliore l'intérieur du coup de sa maison. Ça manque un petit peu de déco, des bibliothèques, de métiers à tisser, tout ça par-ci par-là. Donc Phoenix va travailler sur ça. Ensuite, on a qui de connecté? On a Jérém. Jérém, t'es sur quoi toi? Tu travailles sur quoi? Sur ta maison? T'améliores encore ta maison? Je sais pas qui est-ce qui avait commencé la taverne. Salut Gaëlle, hello. Gaëlle qui se fout de moi, bien sûr, évidemment. Salut Lou. Oui, je suis un ange. T'as vu? Par contre, les ailes, elles sont en 30 FPS. Du coup, j'ai l'impression que. Bah, par rapport à mon perso, elle lague un peu, non? Mon perso, il est en 60 FPS. Du coup, c'est bizarre, non? Je sais pas. Vous me direz, c'est gênant. De toute façon, on va pas les garder 50 ans, hein. Ouais, j'aime bien Halloween. Bah oui, Johan. Oui. Salut petit brocoli, hello. Salut Luna. Vous trouvez que c'est bizarre? Après, je les enlève, hein, sinon, hein, moi, je m'en fous. Hein. C'est vous qui regardez, c'est pas moi. Hein.
Moi, je regarde pas. Je regarde pas mon propre live. Enfin, si, après, des fois, je regarde les rediffs et tout. Mais tu vois, t'as compris. Donc, ouais. Vous préférez que j'enlève ou pas? Un modo présent peut faire un sondage? Ah bah, Allmat, il a jamais fait de sondage, je crois. Allmat, tu peux faire un sondage, s'il te plaît? Est-ce que j'enlève les ailes, oui ou non? Tiens, 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 tiens. Alors, c'est pas une appli, Clem. Faut avant qu'il y ait un ou une illustratrice qui te fasse déjà le dessin de toutes les pièces séparées. Ensuite, il faut que tu aies un animateur ou animatrice 2D qui anime sur Live 2D Cubisme. Voilà. Et ensuite, il faut utiliser un logiciel qui permet d'utiliser les modèles Live 2D. Voilà. Oui. C'est assez long en vrai. Elles sont aussi magnifiques que toi. Oh, merci, incroyable! Pardon. Aïe aïe aïe. Tu sais, c'est quoi le jeu aujourd'hui? Bah, c'est Minecraft. Oui, c'est. C'est Minecraft. Salut, ombre et lumière! Hello! Oui, Almat qui fait son premier sondage! Let's go! GG Almat! Alors, est-ce que j'enlève les ailes? En plus, regardez, il n'y a pas de faute. Non, mais. Oh, bravo, Almat. Incroyable. Bravo. Je suis pas habituée à cette qualité-là. Hein, hein Gaël? Comment ça, je suis pas un ange? Wesh, je suis un ange. Rip les fautes de Gaël dans les sondages. Du coup, Jérém, tu fais quoi? Tu sais pas quoi faire pour améliorer ta maison? Bah, regarde sur Discord, j'ai mis la liste de tout ce qu'il y a à faire. Donc, moi, je pense, moi, j'aimerais bien faire la cabane de sorcière. Les maisons, j'en ai déjà fait deux, donc vas-y, j'en ai marre maintenant. Le passage secret du puits, j'aimerais bien qu'il y ait de la redstone, donc. Ou alors, je fais la taverne. Soit je fais la cabane, soit je fais la taverne, je sais pas trop. En vrai, la cabane, ça me hype bien, parce que ça va changer un peu de ce que je fais, de ce que j'ai fait jusque-là. Donc, why not faire ça? Après, pourrait y avoir aussi le jardin de la sorcière. Enfin, après, faut aussi faire des trucs autour de ça, quoi. Yes! T'es un magnifique ange, merci. Et je vous ai baissé du coup l'objectif des stickers. En gros, vous voyez la jauge là qui est juste au-dessus là. La jauge, quand elle arrive à 1000, donc 1000 bytes là qui sont utilisés en bio pour les stickers qui s'affichent sur le live, tout le monde peut utiliser des stickers pendant un certain temps. Ils sont à 0 bytes. Donc voilà. Je vous l'ai mis à 1000, parce que je me suis dit, ouais, 2000, c'est peut-être un peu beaucoup et tout. Et comme ça ferait qu'il y aura le bazar un peu plus souvent. Voilà, de rien. Donc si vous voulez l'utiliser et que vous avez des bytes, des bits sur votre Twitch, vous pouvez l'utiliser. Non, c'est en bio, c'est en bio. C'est en bio. C'est en dessous du live. La bio, c'est comme la description sur YouTube. C'est en dessous du live. Oh, mais. Faut que je vous refasse le tuto, vraiment. Oh my god! Alors attendez. Vous regardez le live? Ouais. Non, Tipeee, ouais, c'est autre chose. D'ailleurs, j'ai le nouveau format des courriers surprises. N'hésitez pas à aller voir ça sur ma page Tipeee. Mais elle m'a fait trop peur, la patate! Il m'a lancé une patate dans la tronche. Mais ça se fait pas, hein. Regardez, c'est en dessous. Donc là, il y a le live. Coucou! Là, il y a le live. Et là, en dessous, vous avez des trucs, là, regardez. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ils sont tous à 100 bytes. Et quand on arrive à 1000 sur la jauge. Ok, j'enlève pas les ailes. Regardez, il y a un cupcake méchant. Quand on arrive à 1000, ça passe à 0 pour tout le monde. Et tout le monde peut cliquer dessus et en mettre plein. Voilà. Oui. Ouais, c'est fait exprès. Donc, voilà. Fin du tuto! Let's go! Ok, donc c'est non, j'enlève pas les ailes. Bah après, ça bug trop, peut-être je les enlèverai plus tard, mais ok. Alors, il y a des gens qui ont dit, j'aimerais participer à la construction de la cabane de la sorcière ou décoration générale du village. Bah du coup, la cabane de la sorcière, moi, je la ferais bien. Oh, merci pour le sticker, clampin. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai pas entendu le son du sticker, c'est normal? Bah, trop bizarre. Salut, Lune. Hello. Attends, du coup, on a combien? On est à 600!
Bientôt, vous l'avez entendu le son du sticker? Ouais, peut-être, je suis sourde. J'avoue, j'ai pas mon deuxième écouteur. Ça se trouve, ils sont en mono et pas en stéréo. T'es sur le live, les Cantropus, ou pas? Parle dans le chat si tu es là. Salut Maliodas, hello. Non, tu l'as pas entendu non plus, Ferdide? Mais t'as mis sourd, Ferdide. Sinon, je veux bien faire la déco intérieure. Faut construire la maison avant de faire la déco intérieure. Vas-y, je te whitelist. Alors, attends. Par contre, je pourrais pas regarder Discord tout le temps, ce qui est normal. Ah, c'est toi l'humain. Ok, ça marche. Je te whitelist, du coup. Quand tu te couches, je te ferai un tip à moi. Si tu veux faire de la déco intérieure, faut d'abord faire la maison. Parce que, sinon, t'as pas de déco à faire, quoi. C'est cette maison-là qu'il faut construire. Il faut... Alors par contre, Ega, ça reviendra pas, donc voilà. Oh my god! Mais arrêtez de me mettre un poulet sur la tête, là! C'est abusé! C'est abusé! Attends, Lycanthropus, voilà. Du coup, Lycanthropus, si tu veux faire la maison et la déco intérieure là-bas, faut que tu prennes la palette, tu vois, la palette qui est ici. C'est la palette qu'on s'est mis d'accord pour le village. Alors par contre, dans les maisons, faut, sur l'extérieur du moins, faut pas sortir de cette palette. Après, à l'intérieur, tu fais ce que tu veux en déco, tant que c'est agréable, tout ça, parce que les gens, les abonnés vont aller dedans et tout ça. Donc voilà, si tu veux t'inspirer, j'ai fait cette maison témoin, qui est la première, donc celle-ci. Et voilà. Et du coup, l'emplacement de build de la maison, c'est ici. Tchin, c'est là. Bon, il est passé, il est Lycanthropus. Comment j'enlève le mode muet? Ouais, dans ton chat, en fait. 1% de méchanceté pour le classe D en prison avec le loup. Ouais, prochain épisode, vous verrez. Ouais, j'ai pas encore rec, mais vous verrez. J'arrive, je déconnecte le PC du boulot. Ok, le toxique, ça marche à toutes. Salut Otax, hello, ça va bien? Du coup, je sais pas où il est passé, il est Lycanthropus. Lycanthropus, t'as des puces? Pardon, excusez-moi. Pardon. Bonjour, c'est Calypso, comment vas-tu? Salut, salut Toto, ma coachy. T'as changé de pseudo du coup? Salut Loelia, hello. Moi ça va. La dernière fois on a fait ça, c'est pas trop mimes franchement. Regardez, on a mis des roseaux et tout ça. C'est trop chou avec les petites grenouilles. Bon, par contre les grenouilles, il faut que se barrer, je sais pas pourquoi. En plus, ça fait masse entité, donc faudra pas qu'on en mette de trop. Et... Ah oui, c'est ces fleurs-là qui font... Waouh, incroyable. Quoi, Phoenix? Comment ça, c'est pas bien? Quoi? Peut-être que je refais le toit. Ouais, j'avoue, le toit, tu peux le retravailler un peu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Phoenix? Je sais pas. Oui et non. Parce que si on a trop de gens par rapport au taf qu'on a à faire, ça sert à rien. Bon, j'ai perdu Lycanthropus. Lycanthropus a 10 puces. Oui. Bah oui. Il est là. Regarde, la maison, elle est là. Ça, c'est la ferme de Altoxic. La maison, elle est ici. Tu veux build. Là. Quoi? Quoi? Oh non! Quoi? Elle est là, tu vois. Et le pattern de bloc, tu l'as. Après, tu peux regarder les autres maisons à côté, quoi. Elle est assez grande. N'hésite pas à resizer si tu veux pas forcément cette taille et tout. Voilà, fais ce que tu veux. À partir du moment où c'est dans la palette de blocs. Mais je rêve, le coin, il a lancé un train de la hype. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu l'as juste au-dessus de toi, Otax. Juste au-dessus. Ou en bio. Oui, il y a des conditions. Non, mais là, du coup, là déjà, on est 1, 2, 3, 4. À la rigueur, je sais pas qui est-ce qui a commencé la taverne, en fait. C'est ça le souci. À la rigueur, là, il nous faudrait une personne sur la taverne. Et voilà, hein. Mais pas le poulet, pas le poulet, pas le poulet. Coucou. Non mais là il y a des grenouilles partout. Je suis désolée, on va devoir.
suis désolée, mais là, il va y avoir un petit peu trop d'entité, donc faut pas que les abonnés lag non plus, quoi. Non, mais... Oh, my God. My God. Je suis désolée, hein. Ne dites pas ta coup, s'il vous plaît. De toute façon, il peut aller encore. Donc, surtout, ne dites rien. Vous n'avez absolument rien vu. Si on vous demande quelque chose, vous n'avez rien vu, ok? Vous êtes mes complices. Enfin, ouais. Bon, on va pas dire ça, parce que c'est mauvais, généralement. Aïe, aïe, aïe. Attends. Viens là, toi. Mais purée, j'arrive pas à les tuer, en plus, c'est grave. Attendez, j'ai une idée. Oh, non, mais vraiment, le dites pas aux gens qui adorent les grenouilles, parce que là... attends, il me faut un saut vide après, sinon ça va être la sauce. Chut, ne dites rien, je vous en conjure. Merci pour le glou-glou, Luna. Oui, c'est ça. Elles sont en train de sauter sur mon épée. Ah, arrêtez, dis donc. Oh là là. Pas possible, ça, les grenouilles. C'est plus ce que c'était, hein. Ok, mais va cramer, elle, maintenant. Mais ma lave, j'ai des problèmes. Je suis désolée. Pardon. Je demande pardon. Plein ouest assassine un de ces modos. Non, 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 non. Non. Quand même pas. J'oserais pas. Allez, mais... J'ai eu trop peur. Mais ça va pas, non? D'ailleurs, j'ai pas changé les sons des dons et tout. Oh non, j'ai laissé les sons Halloween, je crois. J'ai oublié de les enlever. Faudrait que je pense à les enlever. C'est pas grave, on est le 2. C'est pas grave, c'était hier Halloween. Enfin, oui, avant-hier, mais... Oui, oui, c'est pas grave. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Cuisse de grenouille. Ouais, j'avoue. Rôti, en plus, hein. Non, non, non. Chut. Non, mais là, en fait, je suis en train de... les bénir. Voilà. Ok, c'est bon. Je crois qu'on a assez béni de grenouilles, là. Oh non, c'est horrible. C'est horrible. Non, mais c'est qu'on en a mis trop. Mais regardez, il y en a trop, là. C'est vraiment... C'est pour pas que les gens, ils laguent, en fait. Parce que t'as des gens qui ont des petites configs et tout. Et les entités, ça fait lag. Purée, mais elle veut pas crever, celle-là. Viens là. Meurs un peu. Allez. Bon, elle, on va les laisser. Toi, t'es un peu trop loin de l'étang, toi. La 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 la. Ah, si vous voulez pas de pub, faut être sub. Hein. Ouais, c'est un autre moyen de soutenir la chaîne, voilà. Non, les pubs, ça fait que ça soutient gratuitement, donc yes. Yes. Je me désabonne, c'était mieux avant. Oh purée, les gens qui disent ça, c'est vraiment les pires. Hein. Les gens qui disent ça, vraiment, ils sont horribles. Genre, ils ont cru que tu vas arrêter de faire ce que tu fais pour eux, quoi. Ils se croient seuls au monde et tout. Ok, bon, c'est bon. Allez, on va travailler sur la maison de la sorcière. Du coup, Altoxic travaille sur ses gens. Jérém, je sais pas. Du coup, Jérém, tu fais quoi? Il m'a pas dit Jérém. Ok, Jérém, il s'en va. Lycanthropus, il fait la maison, du coup, il va la décorer. Et moi, je vais travailler sur la cabane de sorcière. On fait un truc rond, non? Pour les bâtiments spéciaux, on peut un petit peu utiliser des blocs autres. Par contre, je vais rester... je vais utiliser quand même des blocs qui ressemblent. Par contre, on va peut-être mettre de l'améthyste, ouais, c'est pas mal, hein. On fait un truc rond, non? Pour la cabane. Salut, Balèze. Balèze. Alèze, Blaise. Alèze, Blaise. Ou Balèze, Blaise. Pardon. Désolée. Alors, 1, 2, 3. Je fais une petite cabane, non? On fait un truc rond, hein, je pense. Je pense, on fait un truc assez rond. Non, j'ai... Ah, mais vous êtes trop des balances, hein. Faut pas balance, les gars. Vous êtes des... Vous balancez, là. Ça se fait pas, ça, de balancer. 1, 2, 3, 4, 5... Comment ils me balancent, quoi. Non, mais le chat, je peux pas avoir confiance en eux. 2, 3. Je vous jure, je peux pas avoir confiance en eux. C'est des poucaves. Ils m'ont poucave. J'avoue, c'est pas bien de notif... oh non, vous avez pas fait ça. Non, mais le pauvre, mais c'est horrible. Mais en fait, vous êtes trop des méchants, hein.
C'est pas moi la méchante, c'est vous en fait. Je vous jure. Vous êtes pas mignon. Déjà, vous me poucavez. Et en plus, vous allez notifier les gens qui adorent les grenouilles. Non, mais vraiment. Vous êtes pas mignon. Là, on fait la cabane de la sorcière. Je pense qu'elle est assez grande, non? Vas-y, de toute façon, le sol, on va tout... Oh. On va tout mettre à niveau, je pense. Vous êtes pas mignon. Moi, je parle pas aux poucaves. C'est pas mignon. Non. Moi, je suis mignonne. Ah bah, ça va, alors. Moi, je vais parler qu'à Lou. Alors, Lou, ça va? T'as passé une bonne journée? Salut, Minecraft init. Hello. Je pose un vase sur un meuble et il glisse. Hein? Mais comment ça? Mais quoi? Bah non. Né, 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 né. Je suis toujours mignon, de toute façon. Pff, pardon. Excusez-moi, ça venait du cœur. Hein. Je dis la vérité, oui. Mais... Ok, bon, le sol, on le fait en quoi? Sapin? Les sorcières, ça aime quoi comme sol? Ah, on a quand même des champignons. Mash. Mushroom. Brown. Ok. Moi, je suis l'être la plus démoniaque. Oh, ça m'étonnerait, ça. J'y crois pas, hein. J'y crois pas trop, hein. Bois de mangrove. Oh non, ça va être moche avec le violet. Enfin, un truc aille bien. Non, j'ai mis du champignon, du coup. C'est pas mal, non? Du champignon. Ouais, non, mais les gens, en 2022, ne savent plus lire, hein. C'était déjà le cas en 2016. Enfin, vraiment... En fait, quand t'écris des informations essentielles... En plus, je fais pas un message de 40 lignes, quoi. Mais je sais pas, les gens, ils lisent pas ce que j'écrive. Du coup, je suis en mode, bah... C'est comme le titre des lives. À chaque fois, quelqu'un arrive, demande ce qu'on fait. Bah, c'est écrit. C'est écrit. J'y peux rien. Oui. Au secours. Ah, pardon, Liorex. Excuse-moi. Tu sais, après, sur un pseudo, je peux pas deviner, hein. Donc, bon, faut pas trop m'en vouloir. Qu'est-ce qui irait bien avec ça, avec l'améthyste? Ah, on va prendre des barils. J'adore, avec l'améthyste, ça va trop bien. Barrel. Je suis le plus mignon sans me vanter, bien sûr. Ouais, ouais. Sans te vanter, hein, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Tu connais une fille qui s'appelle Lio? Bah ouais, il y a une chanteuse qui s'appelle Lio. Ouais. Il y a une chanteuse qui s'appelle Lio, no joke. C'est pas une blague. La chanteuse Lio. Vous connaissez pas? Tapez Lio, chanteuse. Vous allez voir. Lio, Wikipédia. De son vrai nom, Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, née en 17 juin 1962. Mais quoi? Oh non, c'est le moment où il y a les autocollants. Oh my god. Ok, là tout le monde peut mettre un autocollant, c'est en bio, c'est le bordel. C'est la fête des stickers. Ouh, collez tous vos autocollants. Ouais, c'est trop la fête. Oh, mais là on me voit plus en fait. Ouais, c'est une chanteuse belge. Elle est née au Portugal. Chanteuse et actrice luso-belge francophone. Voilà, c'est Lio et sa belle. Non, mais arrêtez, on voit plus. Heureusement qu'il n'y a pas les sons, parce que là, ça serait vraiment l'horreur. Heureusement qu'ils n'ont pas mis les sons pendant la partie, mais... C'est n'importe quoi, Flanou, t'es où? Ben, je sais pas où je suis, au secours. Je sais pas combien de temps ça dure en plus la partie, mais non mais... J'en veux plus, c'est n'importe quoi. Salut, oui, coucou Diana. Comment dire que là je suis un petit peu de recouverte quoi.
Ouh, vous me voyez? Hello! Oh my god! Oh, mais en plus, le vieux breton, il a mis le mot de chant! Non, mais au secours! Mes idées! Sauvez-moi, j'en peux plus! Ok, bah, du coup, c'est l'heure du mot de chant. Au nord, c'était les corons! Ça y est, c'est fini la partie ou pas? Je vois moins d'autocollants. Enfin, je suis pas sûre. Je suis pas sûre là. Oh my god, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ok, le mot de chant, le mot de chant. Champs-Élysées, palalala. Oh, Champs-Élysées, palalala. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y aura tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. On m'a dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous. Attendez, j'ai un truc parfait pour le mot de chant. Vous voulez voir? Attendez, attendez, attendez. Vous allez. Attendez, mais. Planou! Attendez. Je reviens pour le mot de chant. J'ai un truc parfait, vous allez voir. Attends. Hop. Hop. Vous allez dire waouh, technologie! Ok. Ok? Ok? Est-ce que vous êtes prêts pour le mot de chant, mesdames et messieurs? Oh, Champs-Élysées! Tout va bien, tout va... Coucou Cormac, merci beaucoup. Ouh, tout va bien, attendez, je bois un coup. Vous étiez pas prêts, hein? Avouez. Oh mon Dieu, ok. Oh, Champs-Élysées, pa la 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 la, au soleil, sous ma pluie, ma midi, ma minuit, il y aura tout, qu'est-ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. On m'a dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent une guitare à la main du soir au matin. Chut! Arrêtez de juger mon bras! Mais arrêtez, arrêtez de juger les bras des gens. Vous êtes des queues. Oh, Champs-Élysées, palalala. Oh, Champs-Élysées, palalala. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y aura tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Voilà, j'ai fini le mot de chant. Ça vous plaît? Ouais! On applaudit! Ouais, j'ai qu'un bras, je peux pas applaudir! Attendez, j'applaudis! Attendez, attendez, on va applaudir. J'applaudis sur ma joue! J'en peux plus! Mais pourquoi? Mais... Bon, voilà! Ouais! Allez, hop, je range mon bras. Est-ce que le bras Oh, mais j'en peux plus. Au secours. Au secours. Comment ça, il est trop blanc, mais... Oh, oh là là, les réflexions, là. Non, mais oh. Ça vous fait quoi? Moi, je suis une geek. Moi, je ne sors pas de chez moi, ok? C'est normal que j'ai les bras blancs. Non mais oh là. Non mais vous jugez trop en fait. C'est ça. C'est ça, vous jugez trop. J'ai juré, vous jugez trop. Mais. Non mais oh. Aïe aïe aïe. Oui, j'ai rangé le bras, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est parce que je suis une geek. Merci, The Prof, pour les 100 bytes!
Le bras aussi faible que le niveau sur les map jumps. Mais non, mais c'est pas vrai. En plus, je suis devenue pas si mauvaise en jump maintenant. Hein? Hein, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai, d'abord. Ouais, d'abord, je suis devenue pas si mauvaise. C'est vrai. Oui. Attendez, je vais faire appel à un témoin. Monsieur Machin, venez nous dire qu'est-ce que vous pensez de mon niveau en jump. Attendez, je laisse Monsieur Machin parler. Oui, alors, je pense que le niveau en jump de Flanou est vraiment incroyable. Voilà, je suis le témoin, voilà. Merci, merci Corvac, j'interromps mon témoin pour remercier beaucoup. Merci pour les 5 subs, mais c'est incroyable. Merci beaucoup pour Orika, Yoda, Monsieur Siraz, Mac Blax et Yuki, merci beaucoup. Comment ça, oui, 200%, mon bras est faible. Non, mais où? Non, mais vous avez entendu le témoin, ce qu'il a dit. Hein. Non, mais c'est bon, vous avez entendu. Mais... comment ça, vous croyez pas les témoins? Bah alors, vous croyez rien du tout de votre vie. Hein. Si vous croyez pas les témoins, voilà, parce que lui, c'est un témoin, voilà. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai d'abord. Moi, je dis que c'est vrai. C'est un vrai témoignage. Prouvé. Ouais. Oui, j'ai appelé. Ouais. Go muscu. Mais... vous êtes trop vilain. Vous êtes pas mignon. Témoin corrompu. Mais pas du tout. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes corrompu? Non, pas du tout. Je suis pas du tout corrompu. Non. Quoi? Mais... voyons. Mais pour qui vous prenez-vous, quand même? Vous voyez, je suis pas corrompu. Vous voyez? Je vous l'ai dit, hein. Voilà. C'est bon. Je suis juge et je n'approuve vraiment pas. Non, mais non, mais ah non, non. Non, c'est pas vrai. Vous mentez, le chat. De toute façon, le chat a toujours tort. Nouvelle règle du stream. Le chat a toujours tort. Et Flanou a toujours raison. Voilà, c'est comme ça la dictature maintenant. Oh, purée. C'est n'importe quoi. C'est moi le témoin, mais pas du tout. Mais c'est pas moi, vous voyez bien que je parle pas quand le témoin il parle. Bah quand même. N'importe quoi. Aïe aïe aïe. 2 plus 2 égale 4. Ouais, ça aussi je suis d'accord ça. Ça je suis... oups, je suis d'accord. Je te déteste maintenant Flanou. Ah mince. Aïe, ah oh, c'est dommage. Mais pour me détester ça veut dire qu'un jour tu m'as aimé. Donc ça, c'est beau. La vie est belle. La dictature! Ouais, c'est la dictature, maintenant. Donc, à partir de maintenant, le chat a toujours tort. Voilà. Salut, bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Oui, ça va! Et toi? Ça va? Est-ce qu'on ferait pas un chapeau de sorcière en rouge, genre raid? Eh mais je suis complètement surexcitée aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Non, mais tout va bien, rassurez-vous. Tout va bien, voilà. Longue vie à la reine. Longue vie au roi. Longue vie au roi. On va faire un chapeau rouge. Et vive les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds. Vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds. Vive les Bretons. La 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 la. La 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 la. Regardez. Eh, il est beau mon chapeau ou pas? Non, il est pas si beau. Il manque quelque chose. On va le styliser de façon après. Là, voilà, il manque des trucs comme ça, voyez. Ils ont des chapeaux ronds. Vive la Bretagne. Oups. Ils ont des chapeaux ronds. Vive les Bretons. Voilà. Bon, on va styliser tout ça. Déjà là, le violet, ça va pas. On va remplacer. Hop. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Voilà.
C'est vrai que ça fait magique, mais bon, je sais pas, j'aime pas, là. Avec le truc rouge et tout, finalement, c'est pas mal, hein. Vous comptez les pubs? Nice. Ça, faut peut-être le faire ressortir, non? Sur le chapeau. Ah, mais je pourrais pas que pour la concrete. Au pire, on fait ressortir que ça, là. Sur le devant, non? Ça fait un truc un peu magique, non? Je sais pas. Bon, vas-y. Alors, on continue le chapeau. Si le chat a tort, je dis que le témoin n'est pas corrompu. Ouais, non, mais le chat a toujours tort, donc oui. C'est pour ça. Hein, quoi? Quoi? Tu fais de la psychologie retournée, là? Non, mais ouais, attention, hein. Attention, hein. Attention à vous, là, le chat. Arrêtez de faire de la psychologie. 10 pubs, quoi! Non, mais incroyable, quoi! Non, mais c'est fou, hein. Je sais pas comment faire, là, pour le truc. Bon, vas-y, il faut qu'on réduise un peu le chapeau, là. Réduisons le chapeau. Je sais pas pourquoi, avec les shaders, ça fait des trucs bizarres comme ça. Non mais allô quoi, non mais... 10 pubs, non mais c'est fou hein. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas normal. Bye Clampin, bonne soirée, bon appétit. Comment je fais pour... Là mon chapeau est pas très beau mais vas-y on va... On va s'arranger. Hop hop hop. Non mais 10 pubs hein. Pardon, excusez-moi. Déjà ici il faudrait que j'intègre un peu de... Oups, j'ai rien fait. Un peu de bois de sapin, non? Faire la transition doucement. Oh mais c'est pas possible. Oh les gars. Vous voyez? Je suis pas sûre de mon chapeau, là. Ouais, c'est la dictature du chapeau. Attends, faut peut-être déjà que je fasse la forme, et après on travaillera sur les différents blocs et tout, parce que en vrai, voilà quoi. Il s'est moqué de moi! Ah, vous êtes des pas beaux qui puent! Attends, je fais la forme du chapeau. Non mais ça va pas être trop cliché, genre une maison de sorcière avec un chapeau de sorcière. Là, je me demande ce que je suis en train de faire, là. Merci, Benji! Merci beaucoup pour le resub! Merci à toi, incredible. Incroyable. Vous trouvez pas que ça va être un peu cliché, non? Si je fais une maison de sorcière et genre, y a un chapeau. C'est un peu cliché, non? C'est quoi, surprise à 1000 points? Bah, si je te le dis, c'est plus une surprise. Bah oui. Bah oui, ah bah oui, bah oui. Une pyramide d'habits. Hein? Ça, c'est quand t'as la flemme de ranger tes vêtements, non? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre, là. Je suis pas persuadée, quoi. Déjà, on va peut-être retravailler un peu la forme, parce que la forme est un peu... Ah, bon. Escalier. La forme est un peu chelou, non? Je sais pas. Là, déjà, si on coupe comme ça, ce serait plus joli, non? Et après, en intérieur, bah, c'est pas grave, on mettra un plafond. Vous en pensez quoi de la forme du chapeau? Ça passe ou c'est vraiment horrible? Je sais pas, hein. Non, c'est le truc du chapeau. C'est pas une verrue. C'est mieux, ça ressemble plus à un chapeau. Salut Juliette. Hello. Merci pour le glouglou. Là, c'est pas assez défini, je pense, à certains endroits. Faut que je retravaille un peu les formes là. Ouh! Je fais des trous! Mais non, faut pas trop et tout non plus. Mais...
Dis donc. En vrai, je trouve que c'est un peu trop cliché, non? Faire un chapeau sur une cabane de sorcière. Je sais pas, hein. Vous en pensez quoi? Cliché ou pas? Trop cliché ou pas? Quand même un peu, tu vois ce que je veux dire? Genre, cabane de sorcière, on fait un chapeau, quoi. Un peu cliché. Hein. Non, vous trouvez pas? Ok. Oui, c'est cliché. Moi aussi, je trouve ça un peu. Là, je verrais bien une lanterne. Une lanterne. Ça va en vrai. En vrai, toutes les cabanes de sorcières que j'ai faites, j'ai jamais fait un truc comme ça. Donc bon, après, ça change. Hein. Attends, on va essayer de mettre un escalier là. Comme ça, c'est stylé ou pas? En vrai, ça va. C'est juste qu'ici, il n'y a pas assez de matière de ce côté-là. Parce qu'en fait, vu qu'il penche par là, faut qu'il y ait plus. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais faut plus de poids ici. Ce côté-là. Que là. Là, faut peut-être creuser un peu même. Genre. Ça veut dire que le chapeau, il est plus d'un côté que de l'autre. Genre comme ça. Peut-être même, attends. Je remets bien parce que sinon, ça fait un bloc différent là. Hop. Comme ça, c'est plus équilibré, non? Faut ajouter de l'autre côté, je pense. Ça servira à quoi la maison? Bah, c'est pour les quêtes. C'est une map aventure en fait. Donc c'est pour les quêtes, il y aura un PNJ sorcière dedans. Voilà. Là, vous en pensez quoi de la forme? C'est un peu épais au-dessus, non? On dirait plus un chapeau de butin, je trouve, non? Je sais pas. Hein. Là, je doute. Je doute de moi. Salut Sam! Salut Ricus! On dirait le chapeau. Ouais. Je sais pas là. Là, j'ai un doute. On va aller voir ce qu'ils font, les autres. On revient après. Là, j'ai un doute. J'ai un doute sur mon truc. Ok, on va aller voir ce qu'ils font. Alors, Phoenix, est-ce qu'elle a avancé? Coucou Phoenix. Proposez des propositions. Faites des propositions. Attention, visite guidée. Suivez bien. C'est petit mais beau. Banderole rouge. Ah. Ah, t'as fait le tapis rouge et tout. C'est nice. J'aime bien. Vous aimez bien le chat? Salut Boogerman. Hello. Boogerman, c'est toi qui avais commencé la taverne ou pas? Je sais pas qui est-ce qui a commencé la taverne en fait. Non, je connais pas Fortnite. Non, je connais pas. J'ai mal à la gorge, attendez, faut que je prenne une pastille. Salut Johan. Oui! Trop gentil, Corvax. Oh! Le perroquet avec mon pack, on dirait un toucan. Regardez, c'est un toucan. Là, tu peux ajouter des portes armures, genre pour faire les porte-mentants à l'entrée. Nice, les petites bibliothèques. Tu peux peut-être ajouter des coffres aussi, under chest. C'est important de s'imaginer que c'est des gens, tu vois, qui vont venir en mode aventure. Moi, j'aime pas trop les glowstones là au plafond, je trouve pas ça très joli. Peut-être mettre des lanternes plutôt, tu sais, pour la lumière. Genre,
Tu peux en mettre suspendu et tu peux en mettre, tu vois, comme ça, sur tes petits meubles, tout ça. Moi, les glowstones, j'aime pas trop. Ceux-là encore, ça va, parce que eux, ils sont intégrés au plafond, donc eux, ils sont bien. Mais tous ceux qui sont sur le côté, là, j'aime pas trop. C'est un peu bizarre, en fait. Et après, tu vois, sur tes meubles, tu peux mettre, hop, des petites lanternes, comme ça se fait de la lumière. Et ouais, n'hésite pas à penser que c'est un joueur qui va venir, tu vois, visiter, chercher des choses et tout. Donc, tu peux faire des petits placards, des trucs à ouvrir, tout ça, quoi. Même, tu peux faire un sous-sol si tu veux, hein, si t'as envie. Voilà. Ok. Ensuite, on a Lycanthropus qui nous a rejoint aujourd'hui pour nous aider à build. Oh, ça a l'air trop nice. Oh, regardez, il va y avoir une terrasse et tout, enfin, une genre de terrasse. Trop cool. Ah, elle est nice, la maison, j'aime bien. Et ensuite, il y a Altoxic qui est en train de faire les champs. Non, c'est écrit dans le titre, Ricus. C'est genre les premières lignes du titre, les trois premiers mots. C'est écrit quoi? Et les trois premiers mots, hein. Ça décrit tout ce qu'on fait. Salut Kit! Hello! Merci beaucoup! Merci! Trois... Attends, 3 mois? Mais merci beaucoup, c'est hyper généreux. Voilà. Yes! Build map aventure. Yes, GG. Salut Defro! Hello! Il n'y a que 3 mots à lire, hein. J'ai fait simple. Trop cool! Il est trop cool le silo à grains. C'est un silo à grains qui est en train de faire Altoxic. Et franchement, il est trop trop cool. J'avais essayé une fois pour un village de faire un silo. Il était horrible, on aurait dit Wally. Il était affreux. D'ailleurs, on l'avait fait en live. Il est trop cool son silo. Ah, c'est toi Fox Blue, ok, t'as pas le même pseudo sur YouTube et sur Twitch. J'ai un problème avec mon chapeau là. Mon chapeau lata. Chapeau polata. Pardon. Je suis désolée. Pardon, excusez-moi pour ça. Voilà, oui. Oh my god, mais Flanou, mais ça va pas, hein. Ça va pas du tout, madame, hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi en penser de mon truc là. Fais comme ça. En fait, j'aime bien les mettre un peu en. On peut faire comme ça. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'escalier de dalles de laine. C'est trop un problème, ça. Bisous, Juliette! Oh là là, j'ai ma gorge. Bonne soirée à toi, des bisous. Salut, Gugus. Hello. C'est triste, on m'a volé mon pseudo. Oh non. Il est trop répandu, ça veut dire. C'est des fans. C'est des fans. Salut, Yanis! Bon, je sais pas là, je doute. Déjà, on va mettre un peu plus de sapin là. On passe ça. Un peu plus de sapin. Je sais pas. Bon, déjà, qu'est-ce que je mets là au mur? On va peut-être mettre de la concrete aussi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Lanterne. En tout cas, elle va être petite la cabane de la sorcière, mais bon. C'est une cabane après tout, hein. Je sais pas, on verra après pour le chapeau. Je suis pas trop sûre. Ben, c'est fait exprès que ça soit loin. C'est fait exprès. C'est fait exprès, elle habite à l'orée du village. Loin du village. C'est... Oui, c'est fait exprès. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent sur le chat. Bah, laisse-les tranquilles, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Oh là là. Mais laissez les gens regarder le live tranquillement. Mais vous n'êtes pas possible, hein. Oh là là! Mais laissez-les, mais voyons! S'ils ont pas envie de parler, ils parlent pas, hein! Bah oui, ils sont tranquilles! Laissez-les tranquilles! Dis donc! Petite fenêtre.
Mais oui, mais laissez-nous. Laissez-nous regarder. Moi, je préfère comme ça. Ok. Si tout le monde parlait, de toute façon, je pourrais pas tout lire, donc... Écoutez. Merci, Kit Blue. Merci beaucoup pour les mini-bytes. Merci. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, avec tes bytes, tu peux utiliser les autocollants aussi, qui sont en dessous. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais... Parce qu'après, je vais être encore... Je vais encore finir recouverte d'autocollants, mais bon... Je suis gentille, je vous le dis. Elle a fini, Phoenix. Attends, j'arrive après. J'avance un petit peu, là. Ah, je peux pas mettre ça. Oh, alors, attends. Je fais ça. En vrai, elle est chou, la maison. Elle est plutôt mignonne, hein. C'est la première fois que je fais une maison comme ça. Mais je la trouve cliché quand même. C'est cute. Merci, c'est gentil. Bah oui, non mais oui, mais faites vos trucs, hein. Il y a des gens qui font leur devoir à côté. T'as des gens... tu vois, par exemple, Corbax, il vient de dire que lui, il build. Non mais faites ce que vous voulez, hein. Vous avez pas besoin de vous justifier, hein. Moi, souvent, je regarde des lives, je fais autre chose à côté, hein. Ouais, c'est pas si mal. Alors, on va aller voir Phoenix. Apparemment, Phoenix a fini l'intérieur de sa maison. On va aller voir. Tu t'inquiètes trop. Ouais, mais c'est normal, pour s'améliorer, il faut forcément... avoir du recul et, bon, être un peu dur avec son travail, quoi. Vous étiez tout seul, mon TrevK. Ok. Nice, les portes armures, c'est cool. Armure de cuir, ils pourront la prendre du coup, je pense. Ils pourront la voler. Nice! Ah, ça c'est trop bien! Mettre des petits outils en bois. Très bien ça, très très bien. Très bien. Très bien le cellier. Moi je l'aurais peut-être fermé le cellier. Je l'aurais peut-être fermé, j'aurais peut-être mis un placard. Mais il est FK Phoenix. Il ou elle, je sais plus. Je retiens pas moi, vous. Salut Ninon. D'ailleurs, ce serait bien que Twitch, il y ait des pronoms et tout, ce que comme ça... C'est ça qu'on ça s'appelle, c'est des pronoms. En vrai, de loin, elle fait stylé. Hein. De loin, elle est hyper chou. Bon, on va faire la déco intérieure. Non, on va faire les jardins d'abord. Moi, je pense qu'on peut lui faire un petit potager, genre trop pipou, avec des citrouilles et tout. En vrai, la maison d'Hagrid, elle est clichée aussi, hein, puisque elle est ronde comme ça, avec un genre de chapeau. En vrai, Hagrid, il est cliché, non? Alors, oh, il me faut une... Ouh! 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 Ah, j'ai eu un succès. Super. Bon, ok. The Lab. Quelle couleur pour les champs? Jungle. 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 Voilà. Je vais mettre des citrouilles à pousser. Mais on les met pas forcément tout bien. Faut les mettre un peu comme ci, comme ça. Par-ci, par-là. Zigzagouille. Zigzagouille. Voilà. Les citrouilles. Pomme. Kinsid. Voilà, ensuite on va prendre des betteraves. Beetroot. Voilà. Oui, au moins ils galèreront pas à la trouver la maison. Après, il faut qu'ils aient quand même assez de FOV, mais ouais. Parce que je sais pas si je relie au village avec le chemin. Je sais pas trop. Je peux faire quoi maintenant? Il y a la taverne à build. Donc, et alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Passage secret, tu sais faire de la redstone ou pas?
Tu sais faire de la redstone, tu peux faire le passage secret du puits qui mène vers une maison. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un bouton genre secret. Ah, tu sais pas faire la redstone. Bah, sinon la taverne. Faut build et décorer la taverne. Non, après, je crois qu'on aura principalement fini. Hein. Et après, faut faire des petites décos pour le village. Tu vois, par exemple, des arbres custom. Par contre, faut pas en mettre trop collés. Mais tu vois, genre ici. Bah, limite, je vais mettre des laines. Je vais mettre des laines où il y a les arbres custom. Je vais mettre de l'or. Je vais mettre de l'or où il y a des arbres custom à faire. Ça, c'est pour vraiment ajouter un peu de vie au village et tout, tu vois. Voilà. Là. Donc là, c'est construction des arbres. Là, il peut y en avoir un petit. Là aussi, il en faut un. En fait, ça va être autour des habitations et des maisons. Pour un peu fermer, entre guillemets, le truc, quoi. Donc là, pareil, là, faut en faire. Là, on peut en faire un aussi. Parce que là, vous voyez, sinon, ça fait vide hein, sur les côtés. Donc, tous les côtés, enfin, faire des petits... Bah, pour qu'on comprenne qu'on est quand même dans la ville, quoi, tu vois. Donc ça, c'est les arbres custom, les trucs dorés. Après, vous pouvez en faire des plus gros, des plus petits, n'importe. Là, il en faudrait un aussi, ça fait vide. En fait, partout, ça fait un peu vide. Il faut faire un arbre ou des petits jardins ou des trucs comme ça, des décos en fait. La taverne, c'est là. C'est ici. Là, on peut remettre un arbre aussi. Je vais mettre le panneau. Alors, arbre custom. Hop. Arbre. Custom. Voilà. La 1.20, elle est pas sortie, le coro. Elle est en expérimental. Enfin, en snapshot. Voilà. Là, on peut remettre là. Voilà. Je sais pas avec ce que tu veux, hein. Est-ce qu'ils iront dans le silo? C'est ça aussi. En vrai, s'il y a une quête dans le silo, ça peut être pas mal, mais je crois que c'est dangereux d'aller dans les silos, non? Je crois qu'il y a des gaz et tout. Ouais, je me régale, ouais. De fou, hein, les pastilles, quand t'as mal à la gorge, c'est comme des bonbons, quoi. Non, non, hein, c'est pas ça. Hein. Pas du tout. Ok. Bah, Java, évidemment. D'ailleurs, moi, j'arrive à voir si les joueurs sont sur Java ou Bedrock, parce que la façon dont tu te déplaces et l'interface et tout, elle est pas du tout la même entre Java et Bedrock. Hein. T'as pas du tout la même interface. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Ah! Mais j'ai eu peur! Merci beaucoup, Anonyme, qui a acheté le mug Flanou Renard trop chou! Dans la boutique, merci beaucoup. Merci Neige pour le glouglou. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Trop pipou. Alors, ici, c'est le jardin, du coup. Donc oui, j'étais en train de faire le jardin. Et Alors, Jack-o'-lantern. Je pense qu'on va mettre, tu vois, des petites citrouilles déjà comme ça. Parce que ça éclaire le jardin et ça donne une petite ambiance. Spooky! Ensuite, faut que je repousse un peu ici. On peut mettre des trucs morts dans le jardin de la sorcière. J'adore faire tout ce qui est jardin et tout. Moi, je crois que j'ai raté ma vocation. Hein. J'aurais dû être paysagiste ou un truc comme ça. Hein. Je te jure, j'adore faire ça. J'adore. Je trouve ça trop satisfaisant de faire les jardins et tout. J'aime trop. Alors. Donc déjà, il va y avoir des petites haies.
Comme ça, avec des baies dedans. Enfin, ça fait des genres de baies, quoi, dans les buissons. Voilà, pas trop non plus. Sinon, les joueurs, ils pourront pas rentrer dedans. Ah, j'adore ça, c'est trop bien. Faut que je fasse des petits trucs morts quand même pour l'ambiance, genre sorcière et tout. Ouais, je sais, il y a beaucoup d'architectes qui jouent à Minecraft. Enfin, pas pour poser leur projet, parce qu'en fait, les architectes, ils ont des logiciels exprès. Mais t'as beaucoup d'architectes qui jouent en Minecraft. Alors, on va peut-être pas en mettre partout, mais genre, tu vois, par-ci, par-là. Des plantes mortes. Ça peut être pas mal. Parce que les sorcières. Là, c'est une sorcière, genre, elle va soigner des gens avec des herbes médicinales. Donc, faut mettre un peu une vibe, tu vois, plantation et tout ça, quoi. On va fermer ici d'ailleurs. Ta batterie est en négatif. Ça n'existe pas ça. C'est l'affichage qui est en. C'est ton affichage qui est bug. Hein. Je vois mal. Je vois mal autrement. Oh, je me suis refait les films. Les films Divergente et les films Hunger Games. Vous voyez ce que c'est ou pas? Divergente et Hunger Games. Ben, j'ai pas fini d'ailleurs la partie 2 du 3 d'Hunger Games. Mais ça part un peu en sucette après, je trouve, hein, Hunger Games quand même. Moi, il y a une série comme ça, une dystopie que j'avais trop aimée, mais c'est une trilogie que j'ai lue du coup. Ça s'appelle Enclave. J'aurais trop aimé l'avoir adaptée au cinéma, mais non. Après, ça aurait été compliqué parce qu'en fait, c'est un. Leur civilisation, elle vit sous terre, tu vois. Enfin. Parce qu'en fait, sur la surface, il n'y a plus grand-chose, donc ils vivent principalement sous terre. Donc je pense que ça aurait été peut-être compliqué à filmer, je sais pas, mais. Bon, après, c'est les budgets et tout aussi, mais ouais. Merci! Merci, Kiss Blue! Merci beaucoup! On dit Kits ou Kitsy, ou je sais pas. Est-ce que je mets des raisins aussi? Ça peut être pas mal, hein. Attends, je délimite à peu près la zone parce que sinon, moi, je vais m'étaler. Je vous raconte pas. Hein. On va faire ça. Petit carré de jardin, c'est pas mal, non? Après, on peut mettre des petites barrières. Fence. Potager de la sorcière. Le 1 est pas ouf. De quoi? Hunger Games? Ah, vous avez pas vu le 1? Bah, c'est un peu la base, quoi. T'as pas vu le 1? Comment tu comprends l'histoire? Parce qu'ils en parlent en plus, qu'elle s'est. Genre, pourquoi elle y est allée et tout? C'est parce qu'en fait, elle s'est portée volontaire, tout ça, quoi. Comment tu sais si t'as pas. Pas. Bon, ici on fait quoi? On fait des petites. Je sais pas, on fait quoi comme plantation? On peut faire un petit carré. Mais Diana! Olmad! Mais j'ai eu si peur! No joke, vous m'avez fait trop peur. Oh non. J'ai sursauté, quoi. Quoi? J'ai sursauté. J'ai eu trop peur. Mais oui. Mais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Hmm.
Non. On va comme ça. Ça fait un peu gros quand même pour deux plantes, hein. Bon. Je vais me calmer. Les plantes. Ah, est-ce que je peux mettre des palétuviers? Ah, mais ça va pousser, ça, non? Oh, ça va pousser, c'est un problème, hein. C'est grave moche. Qu'est-ce qu'on met? Sais pas quoi mettre, là. Peut-être des carottes. Voilà. Une partie un peu abandonnée, genre dans le jardin quand même. Hein. Voilà. Et puis là, je vais mettre des petits trucs comme ça, je trouve ça trop mimi. Vous trouvez pas ça mimi? Voilà. Donc ouais, Enclave, j'aurais trop aimé le voir au cinéma, mais bon, malheureusement, voilà. On va faire un dernier comme ça. C'est marrant parce que là, c'est le gros bazar, et là, c'est hyper bien entretenu, genre, trop bizarre. J'ai entendu une poule. Wow! Wow! Tout va bien, tout va très bien, rassurez-vous, tout va bien. Aïe aïe. Waouh! Ça me fume. Ah purée, pourquoi je vous ai mis les stickers? Vous allez me faire des frayeurs. D'ailleurs, je peux en ajouter d'autres, hein. Il faudra que vous me disiez si vous en voulez d'autres. Je peux en ajouter des personnalisés. Bah, comme j'ai fait avec genre la flamme Warden et tout. D'ailleurs, il y a le cri du Warden, donc ouais. La fête. Ouais. 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 Il est trop mignon, le canard. Il est pas trop chou. Moi, j'adore. Je le trouve trop pipou. Oh! J'en peux plus. Au secours. Aidez-moi. Bah en fait je peux en ajouter plein d'autres. Donc ouais. Potato. On va planter des potatoes. Non mais lui il fait peur un peu. Lui il surprend quand même. Il est pas gentil lui. Le fantôme j'aime pas trop. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est le renard! C'est n'importe quoi, je te jure, c'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. C'est n'importe. Oh là là! Ok, bon, ça va là le jardin, non? Vous en pensez quoi? Jardin de la sorcière? Attends, je sais, on va mettre les blocs des chemins, là. C'est quoi, les blocs des chemins? Paf. Voilà. Voilà. Non, mais ça, là-bas! Oh non, c'est la partie. 3, 2, 1, go!
Voilà, vous pouvez mettre le nombre d'autocollants illimité, c'est n'importe quoi. Mais non ! Ils sont en train de me recouvrir ! À l'aide ! Non, je suis plus là. Ah si, je suis encore là. Vous m'avez pas, hein. Vous m'avez pas. Je suis encore là. Tant que je suis encore là, c'est bon. Tant qu'il y a la flanou, ça va. Oh non, mec, je suis plus là. Oh non, ils m'ont totalement recouverte, j'y crois pas. Mais non. Aïe, aïe, aïe. Ils m'ont recouverte. Où suis-je? Mais c'est en bio, c'est en dessous du live. Juste en dessous. C'est pas compliqué, c'est en dessous. Aïe, aïe, aïe. Mais... mais non. Ah, j'adore le cupcake, il est trop chou. Mais... à l'aide. Je... il n'y a plus de flanou. Mais... à l'aide. Sauvez. Sauvez flanou. Oui. Sauvez-moi. M'aider. Ah, ça va, c'est en train de partir. Quoi? Quoi? Heureusement qu'il n'y a pas les bruits pendant la partie, parce que sinon, ce serait n'importe quoi avec tous les bruits et tout. Laisse tomber. Ce serait trop le bazar. Vous aimez bien mes petites cultures, là? Le petit jardin damn, de la sorcière? Son. Quoi? Non, mais oh! C'était quoi ça? Non mais oh, dis donc. C'est bruh. Diana, elle fait des... bruh. Elle fait des bêtises. Diana. Diana. Ah non, c'est Kitsé Blue en plus. C'est pas Diana. Nani. Mais oui. Salina, ouais, coucou. Moi j'aime trop le canard, il est marrant. Le bruit du canard est drôle. Je crois que c'était Diana, mais non, c'est Kids Blue. Bleu, bleu, bleu. Voilà. Ok. Bon, c'est pas mal cette petite maison là. Wink. Wink, wink, wink. 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 Quank. Quank. Hey, listen. Hey, listen. Hey, listen. En fait, je suis plus chiante que des trucs, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est la petite fée de Zelda. Dans Zelda, de Link. Voilà. Le petit potager. Hey, listen. Hey. Elle est trop chante la fée en plus. Hey, listen. Trop chante. Voilà le petit chemin. Petit chemin. Le petit chemin qui mène au potager. Le petit chemin qu'on emprunte. Voilà. Tudun. Mettre des petits buissons sur le petit chemin qui mène au potager. Oui. Tadam. Salut Dracorantin. Ah, t'es censé les faire. Hey, RIP. Listen. Hey, listen. J'écoute. De quoi? J'ai pas compris, Lurex. La sorcière, on dit qu'elle va à la mare. Est-ce que je relis sa maison vers la mare? Faut encore que je fasse l'intérieur après. Hé! Hey. J'aime bien le mercredi, c'est chill. Hein. En vrai. Je rageais. Gaël, il aime trop le poulet. Il aime trop ça. À chaque fois, il met le poulet. Encore cette pub. Oh là là. Oh là là.
Normalement, les pubs, elles durent genre une minute. Et après, ils en mettent, autant de temps que dure une minute, quoi. C'est ça d'être la plèbe, hein. Vous avez des pubs, quoi. Ah. La plèbe a des pubs. Money. Oh non, il y a encore la partie. 2, 1, go. Mais j'en peux plus du compte à rebours et tout. Mais au secours, sauvez-moi. Mais c'est pas possible. Purée. J'en peux plus. Au secours. Oh non, mais en fait, vraiment, hein. Mais vraiment, mais j'aurais dû mettre plus. Avant, j'avais mis 2000. Là, j'ai mis à 1000. J'avais mis 2000 parce que je m'étais dit, oh, ce sera. Sinon, ça va être trop souvent. Mais j'en peux plus. Aïe, aïe, aïe. Et bah là, on joue pas en fait à la map. Là, on la crée. Pour jouer à la map, ce sera quand on aura fini de la créer. Voilà. Je la mettrai en téléchargement et tout ça. Pour le moment, vous pouvez pas jouer à la map, hein. Elle est pas jouable encore. 5000, ah, c'est beaucoup 5000, non? Après, je veux faire un équilibre pour que vous l'ayez quand même, mais... Parce que si vous l'avez jamais, c'est pas cool, tu vois. Au secours! Je suis recouverte! Mayday. Help. Please, help me. Non, mais en plus, avec les comptes à rebours et tout, ça me fume. C'est n'importe quoi. Sauvez-moi. Point. Mais... Oh les cupcakes, j'aime trop. Oh les cupcakes. Mais non, mais au secours. Mais je veux pas passer le live comme ça quand même. Ah c'est bon, c'est en train de partir. Ouf. Ouh. Aïe aïe aïe. Ah mais je te jure. C'est le renard la surprise. Je l'adore. Ah, il est trop cool. Mais non, arrêtez. Je l'aime trop le cupcake. Il est trop cool. Non, ça j'aime pas. Ça fait peur. Le rip là, ça fait trop peur. J'aime pas. La patate. Non mais les modos, ils jouent avec les stickers là. Mais oui, ils sont trop mignons les cupcakes démoniaques, vous avez vu? Oh non, c'est déjà... Non mais... Au secours. 1, go. Mais au secours! Mais je vais vraiment passer le live recouverte, c'est pas possible. Mayday! Mais non... Allez, je manque trop d'inspi. Bah, c'est pas grave, hein. Tu pourras continuer plus tard après, hein. T'es pas obligé de te forcer, hein. Mais non. Mais. En plus, vous mettez bien les plus gros pour me recouvrir, genre. Vous faites exprès, je le vois, hein. Oh, mais je te jure. Vous croyez malin, là. Je connais, hein. C'est ce que vous faites là. Ouais, ouais, ouais. Vous mettez bien. Non, mais. Je dis ça, ils sont encore pires, quoi. Ils mettent bien les plus gros, comme ça, ils me recouvrent bien vite. Non, mais je te jure, ils sont insupportables. En plus, ils mettent les cupcakes démoniaques, quoi. Mais non, mais. Au secours. Au secours. Mayday. À l'aide. Oh non, mais... Il n'y a plus de flanou. Faudrait que je mette un sticker flanou et comme ça, quand il se colle... Enfin, un sticker de mon perso, comme ça, quand il se colle, on me voit quand même. Genre, c'est un peu le contre-uno, quoi. Tu vois. Au secours. À l'aide. Salut, Misuki. Hello, comment ça va? Ah non, mais je te jure.
Manou est où? Bah, je suis là, attendez, ça arrive. Oh mais j'en peux plus. Salut. Ça va? Ouais, j'ai soufflé fort et c'est parti, ouais. Bon, voilà la maison de la sorcière, avec le petit jardin, ici. Pipou, pipou. Là où il y a les blocs d'or, ce seront du coup des arbres custom. Oula, il y en aura là, là. Un peu... J'adore les canards, c'est trop mignon. Par contre, vous savez qu'il faut pas donner du pain aux canards, parce qu'en fait, ça les rend malades. Le pain, en fait, c'est mauvais. Moi, je suis dégoûtée parce que toute mon enfance, j'ai passé mon enfance à donner du pain aux canards. Voilà, je suis dégoûtée de la vie. Je vous jure. En fait, j'étais en train de les tuer, quoi. Parce que le pain pour les canards, c'est super, super mauvais. En gros, ça les rend malades. Ça leur rend le foie malade. Faut pas leur en donner. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, je suis dégoûtée. Oh, mais... mais non. Mais attends, mais avec un sticker, il a réussi à me recouvrir, là. Mais ça va plus, hein. Ah, il était efficace, celui-là, hein. Dis donc. Ah, purée. J'en peux plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va faire le toit. Enfin, le plafond. Reninon. Coucou. Voilà. Alors, on va faire l'intérieur de la maison de la sorcière. Mais c'est quoi ce chat? Oh, j'en veux plus. Au secours. Aïe, aïe, aïe. Ouais, des fontaines aussi, mais on en a déjà mis une. On va pas mettre 40 fontaines, quand même. Pas cool. Enfin, genre, dans un village, généralement, t'as pas... Un petit village, t'as pas beaucoup de fontaines différentes, quoi. Ah, oh, j'en peux plus, hein. Là, j'en peux plus, je vous jure. Alors, le lit de la sorcière, on met... Mais quoi? Mais non! Mais vous trichez! Vous trichez! Il me recouvre avec un seul! Je vous jure, il triche grave. Trop des tricheurs, ceux-là. Trop triché. Il triche. Il me recouvre avec un seul. Mais... Mais c'est pas possible. Mais Diana. 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 Ah là là, merci Kids Blue, mais c'est hyper généreux, merci beaucoup, bleu 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 bleu. Attention, je suis Anonymous de la tasse. Ah, c'est toi qui as pris la tasse? Merci beaucoup. Merci pour ton achat dans la boutique. Trop cool. Merci. Aïe aïe aïe. Composteur, composteur. Ouais, parce que je vois pas les pseudos, enfin les noms des gens. Je crois qu'ils peuvent écrire des trucs quand même, mais ouais, on voit pas toujours. On va mettre les trucs de la sorcière. Table d'enchante. Under chest aussi. Faut mettre trucs des potions. Alambic. Comment ça s'appelle déjà? Brewing. Brewing stand. Loom. C'est pour ses placards, ça, pour ranger ses culottes. Les culottes de la sorcière, voilà. Attends, on va faire un peu plus haut, quand même. Voilà. Oh, c'est le Speak English. Merci pour le glouglou. Ok. Okay, so now for 5 minutes we're gonna speak in English. I'm gonna speak in English. You have nothing to do for this, okay? So, well, I don't know what to say in English, but certainly doing this challenge helps me improve my... Ah, c'est le speak French! Ha 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 ha. C'est le Spring French. Ah 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 ah. Bien.
bien fait pour... Mais ah, tu m'as raté. Tu m'as raté. Ah, je suis encore là. Je suis là. Je suis là. Mais ah, vous m'avez raté totalement. Ça va de se rater, Diana, ça va. Oh, j'en fais plus, c'est n'importe quoi cette histoire-là. Mais vous êtes trop nuls. Mais... Je te jure, ils n'arrivent pas à me cibler. Je suis trop forte. Oh non. Oh non. 3, 2, 1, go. Non. Laissez-moi. Bon, j'avoue, je l'ai mérité. Je me suis trop moquée de vous, là. Je l'ai mérité, en fait. Voilà, désolée. Ça m'apprendra à se moquer, voilà. Ça m'apprendra à être un peu trop, voilà, être un peu trop sûre. Bon, désolée. Ah, virée. Non, mais ça m'apprendra, hein. Voilà, j'assume, j'assume. Purée, je suis dégoûtée. Non, mais là, je suis recouverte jusqu'à ma tunnelée, mais en plus. Oh mon dieu. Non, mais... Je te jure, vous m'avez recouverte de fou, là. Là, on me voit plus pendant 15 ans. Mais j'en veux plus. Non, mais c'était pas... Non, j'ai pas fait la maligne. C'était juste pour comme ça. C'était pour dire... ah, ah, c'était drôle, en fait. Voilà, j'ai pas fait... J'ai pas fait la maligne, non. Non. C'était pour rire. Bah oui. Oui, c'était pour rire, en fait. Voilà. Mais... Oh, mais j'en veux plus, hein. Oh, j'en veux plus, au secours. Mais c'était pour rire. Voilà, c'est... J'ai pas fait... C'est pas... Oui. Oui, merci Kiss Bloom, oh my god. Surcouverte de bardou, là, c'est n'importe quoi, hein, je te jure. La 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 la, je suis plus couverte. Na 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 na. Attendez, je crois que je peux mettre plus de confettis. J'ai cliqué comme si ma vie en dépendait. En plus, le pire, c'est que vous avez pas de cooldown, non? Si. Na 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 na. Alors, attendez. Normalement, dans les configs... Ah, c'est le mode chant. Ah oui, vous avez un cooldown. Attendez, je vous enlève le cooldown, ça va être n'importe quoi. Ah, il y a une limite de stickers, on va en mettre 100. Voilà, comme ça, il y en a 100. Pour la partie. Pardon. Mais attends, mais je dois faire le mot de chant là. Mais vous abusez, hein. Mais vous abusez de fou, hein. Mais. Ok, on va faire le mot de chant. Alors, on va chanter quoi? On va chanter Sous l'océan. Sous l'océan. Non, pourquoi serveur closed? Pourquoi? J'ai fait quoi? Non! 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 Sous l'océan! Sous l'océan! Tan 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 tan. Sous l'océan. Sous l'océan. Voilà. C'est bien. C'est qu'elle fait une bêtise là. 3, 2, 1, go! Mais non! Mais il y a
Mais je suis encore recouverte. Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis encore recouverte. Mais le serveur il marche plus. Qui a cassé le serve? Bah je sais pas. Je sais pas du tout. Allez, on bat tout le monde. Non, mais il marche plus. Mais c'est trop chiant. Bah il est en train de reboot en fait. Voilà. Mais non, mais je suis recouverte. Ah non, j'ai mis vraiment beaucoup de stickers là. 100, ça fait beaucoup quand même, non? Ça fait beaucoup quand même. Oh my god. C'est beaucoup quand même, hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais vous trouvez pas qu'il y en a pas assez déjà? Ah non mais ouais. Ça me fait plus. Salut Nicolas, merci beaucoup pour ton prime, merci à toi. Il est pas encore up le serveur en fait. Attends. On peut le faire galérer non plus. Je sais pas comment ça se fait que ça crache. Oh. Normalement c'est bon. Oh mais j'espère qu'on a pas perdu la map hein. Normalement non, j'ai fait une backup tout à l'heure. Ti. Ok, c'est bon. Tout est bon. Attends, je vais faire une backup en même temps. J'en ai fait une avant, mais on va refaire après. Non, après, c'est peut-être l'hébergeur qui a un problème des fois, vous savez. Ça arrive, voilà. Après, toi, sans reflèche. Let's go. Voilà. Alors, du coup, j'en suis où? C'est bon. C'est bon, je suis plus recouverte en plus. Nya-ha! Trop bien. Alors, on va mettre des tapis pour la sorcière. Ce sera... La sorcière, du coup, ça va être Diana. Voilà, je coule. Hein. Diana, elle m'a trop recouverte de caca, là. Hein, Diana? Non! Ça me saoule! Pourquoi ça me déconnecte? Ah, il y a des crashs. Faudrait que je regarde dans le truc de crash, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Mais pourtant, c'est un serveur full vanilla. Je comprends pas pourquoi il y a des crashs. Je sais pas. C'est chiant. À l'aide! Courage! Oh, c'est trop chiant. Peut-être l'hébergeur qui a un problème, hein. Je sais pas. Vas-y, on build juste une maison de sorcière, là. Laissez-nous. J'ai juste de la déco à faire. Laissez-nous. Vive le vent, vive le vent. De toute façon, j'avais pas fini mon mode chant, non? Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Oh! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Phoenix, t'as fait des conneries ou pas? Merci! Qui
Pizza Blue, merci pour les subgifts. Merci pour Darkbane et Furilou, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Bah, j'ai vu Phoenix tuer Jean-Pierre. C'est peut-être ça, hein. Bah. Non, ça rollback mes tapis. Blablabla. Mais c'est moi. J'ai tué un renard. Ah. Ah, mais tu devrais battre Phoenix, hein. Tu es un renard, c'est pas le type de mort, en fait. Donc, ouais. C'est pas cible de mort de tuer un renard. Je vous le dis. Voilà. Adieu les vieux tapis. Non mais où, ils sont pas vieux mes tapis, hein. Comment ça ils sont vieux mes tapis? C'est parce que j'ai dit que c'était Diana la sorcière, du coup ça m'a porté malheur, je crois. Je crois que c'est ça. Ça fait un truc un peu mystique, ça, non? Moi, je suis pas une sorcière. Que de temps en temps. Voilà. Ça fait mystique, ça, ou pas, non? Le pattern. Un peu. Ça vous plaît? Nice. Bon, bah, j'ai fini la maison de la sorcière, du coup. Je vois pas quoi rajouter, là, hein. Je sais pas trop. Vous voyez quelque chose à rajouter? Moi, je pense que c'est bon, hein. Is ok. Ladder. Is ok. Voilà. Mais non! C'est pas du sang, ça. Elle est trop belle, ta maison. C'est pas la mienne, c'est la maison de la sorcière. Voilà, avec le petit jardin, du coup. Donc ici, c'est l'étang. D'ailleurs, je vais peut-être faire un chemin de boue, là, qui va vers l'étang. Paf. Voilà. Petit chemin comme ça. Voilà. Comme ça. Au moins, c'est bon, là. Ça, plus personne me recouvre, c'est bon. Ça vous est déconcentré. Un chaudron. Ah, j'avoue, j'ai pas mis le chaudron. On n'est pas 100% cliché si on met pas le chaudron, hein. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Hop. Voilà, le petit chemin. Tadam! Ce serait sympa de faire un petit truc de pêche aussi, non? Un petit ponton de pêche. Genre ici. Bon, après, ça fait partie des décos, hein. Déco du cauldron. Le chaudron, on va peut-être le mettre dans les champs aussi, non? Water. On va prendre de l'eau. Ah non, faut pas que je chante, le serveur il a pas aimé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Peut-être un peu bizarre ici, on va mettre là. Côté des trucs. Voilà. Ouais, ça peut être une quête, ouais, j'avoue. Faudrait les écrire, en fait, les quêtes. Et du coup, à part Matisse, il y a qui voulait faire des commandes blocs? Je pense que les commandes blocs, Matisse, il faudrait que tu les fasses en solo d'abord, que tu testes et tout, que ça marche. Parce que sur serveur, parfois, ça déconne un peu. Donc, yes. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je commence les arbres custom? Très cool. La maison à l'avance. La maison de Lycanthropus. Ah, c'est trop bien. C'est grand en plus, hein. Elle est énorme, cette maison. Elle est immense. Je commence quoi? Alors, la cabane de sorcière, c'est fait.
Attends, je check le canal. Alors, cabane de sorcière, c'est fait. La taverne, elle est en cours. La maison et la déco, elle est en cours. Lampadaire, bah, ça, c'est au fur et à mesure. Arbre. Les arbres custom. Donc, moi, je pense que je vais commencer à faire un peu les arbres custom. Ça, c'est le bar gîte. Les maisons des brocolis. Du coup, maison des brocolis, c'est bon, hein. La dernière, là, qui est en train d'être build. Incroyable. Et après, bah, moi, je crois que je vais commencer les arbres. Je sais pas ce que je fais en type d'arbre, on va voir. Vas-y, je vais en faire un, puis peut-être près de la sorcière, on va peut-être mettre des arbres un peu qui font peur, non? Genre un peu des arbres morts. Ça peut être pas mal, hein. Un peu d'arbres morts. Genre comme ça. Vu que c'est une maison de sorcière, on peut faire des arbres tordus, non? D'ailleurs, j'ai vu la vidéo du Grand JD et de Inox qui vont dans une forêt où il y a des... Ça m'a fait trop peur. Ça m'a fait trop peur. Mais Diana! Inox et le Grand JD qui sont allés dans une forêt, je sais pas où, là, en Pologne, ou je sais pas où, il y a des arbres morts. Enfin non, des arbres... tordus. Pas morts, juste tordus. Et ils ont passé la nuit dans la forêt, hein. Ça fait trop flipper. Je sais pas comment ils ont fait, hein. Moi, j'aurais trop peur de dormir. Déjà, dormir dans une forêt, je crois que j'aurais trop peur. Dormir la nuit tout seul dans une forêt, en plus dans un pays étranger que tu connais pas et tout. Moi, j'aurais trop peur de fou. Hein. J'aurais trop peur qu'il y ait un mec taré ou je sais pas, tu sais... Ou un psychopathe qui vient dans la nuit. En plus, apparemment, c'était une forêt hantée et tout. Non, mais... Elles sont bien. J'aurais trop, trop peur. Y aller seul pour un sub-goal, mais jamais. Jamais je mets ma vie en danger pour un sub-goal. Jamais. Mais rien que l'urbex de nuit et tout, mais moi, je pourrais pas. Hein. Déjà, l'urbex de jour, je peux pas. Ça me fait trop peur. Donc ouais. Je peux ouvrir le garage. Le garage de la grange. Je sais pas où tu veux. Dans les airs, c'est pas RP, mais... Yeah. On va peut-être pas faire tous les arbres morts, mais voilà, ça peut être un truc de quête, ça aussi. Trouver l'arbre mort, ou je sais pas, tu vois. Il a une forme un peu chelou, mon arbre, quand même, hein. Voilà. Je suis pareil pour l'urbex. Non, mais ça fait trop peur. Laisse tomber, hein. Un arbre géant dans la plaine. Ouais. Non, on va faire un arbre pas mort. Je sais pas quel type d'arbre, mais vas-y. On va voir, hein, ce que ça donne. Et re-Jérém. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et let's go faire un arbre. Enfin, let's go faire le feuillage. Alors, le feuillage. Leaves. Un arbre de type vivant, ouais. De type vivant. Donc là, je vais recouvrir un peu n'importe comment. C'est normal. C'est la fête foraine, ne vous en faites pas. Ça va prendre sens après. Tout bien. Voilà. Faut bien passer en dessous aussi, sinon ça fait bizarre. Un peu plat, quoi. Voilà, maintenant qu'on a bien fait n'importe quoi. Hop, on va venir faire les formes un peu plus sympas, quoi. Hop.
Je vais mettre un peu de d'azalée dedans. Pourquoi pas des ruches aussi en vrai. Hein. Ruches d'abeilles. Donc là, je vais retravailler un peu les formes parce que clairement, il y a des trous de partout dans cet arbre. Mettre un petit peu de fleurs. Sympa, les fleurs. Hein, hop. Voilà, bah il est pas mal là, non? Peut-être ici, il manque du feuillage encore. Moi, je suis Sagittaire. Mais j'y crois pas du tout au truc d'astrologie, de je sais pas quoi. Le Mercure étant Vénus, Pluton, je sais pas quoi là. J'y crois pas au truc comme ça. Après, je respecte toutes les croyances, mais l'astrologie, moi, j'y crois pas du tout. Moi, je suis Scorpion. C'est pour moi, ça veut juste dire à quel moment t'es né, quoi. J'y crois pas, toi. Hein. D'ailleurs, il y a un nom pour l'effet, là, des trucs d'astrologie. Genre où c'est un truc assez vague, mais où tout le monde peut se reconnaître dans chaque truc. Puisque c'est le nom. Ton signe de caca, oui. Oui. Ça va, au moins, je suis pas cancer. Hein. Oui. Voilà, premier arbre. Bon, il est mimi, non? Il est chou? Ouais, après, les arbres, c'est pas compliqué à faire. Hein. T'en mets un peu partout et puis c'est bon, ça passe. Vous vous rappelez de ceux qui étaient là quand on avait fait le truc pour l'action humanitaire, là? Qu'on avait construit les arbres, c'était trop cool. J'avais trop aimé. J'avais trop aimé en faire plein. J'en avais fait plein des arbres. Si, les taureaux, il y en a plein. Moi, j'en connais bien plein IRL des taureaux. Voilà, allez, on va en faire un autre ici. On va prendre un bois différent ce coup-ci. Hein. J'en avais fait plein, c'était trop bien. Mais... Mais non! Mais Diana! Elle a trop bien visé en plus là! C'est pile au milieu! Mais non! Mais Diana! Comment je me fais torturer par les modos? Les modos sont sauvages! Mettez un like pour sauver Flano! Non, il n'y a pas les likes sur Twitch, dommage! Mais oui! Il m'attaque! M'attaque les modos. Quoi? J'ai mangé un bout. Salut Kylian, hello. Alors. T'es le gratis, t'es le modo. Mais je suis pas sauvage. Bon, ça dépend, mais oui. Ça dépend quoi, tu vois? Je suis plus sage quand même. Plus sage que les modos. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. Pouf, en même temps, c'est pas trop difficile d'être plus sage que... Je vous le dis. Hein. Oh. Mais Diana, tu vois, c'est de la faute à Gaël. Gaël, il a mauvaise influence sur Diana. Parce que Diana, elle est sage normalement. Brah. Mais je vous jure, Diana, normalement, elle est hyper sage. C'est Gaël et Olmat, ils ont une mauvaise influence. C'est sûr, hein. Ah, Home Sweet Home, ça faisait longtemps. Maison elfique. Trop bien. Une maison elfique. En référence au Seigneur des Magnaux. Noni. Oh! Quoi? Oh là là. Le nani, il est tellement agressif, non mais... Noni. Aïe, aïe, aïe. J'ai été influencée par Gaël. Bon bah c'est Gaël. Je vous jure, Gaël. Gaël c'est le démon. Et là il doit dire mais quoi? Mais encore moi? Bah oui, encore toi. Hein?
Toujours t'influences. T'influences, c'est des petits mignons. Tu les influences. Il a clairement dit ça. Mais oui, mais je le connais très bien. Je connais très bien le Gaël, comment il marche. Comment il fonctionne. Il dit toujours ça, de toute façon. Après, il dit, mais Fla, non, mais non, mais non, mais tu cherches. Il dit ça, je te jure. Je le connais. Le logiciel Gaël, je le connais très bien. Voilà, un autre arbre custom. Pauvre Gaël, il se prend tout. Mais aussi, il est démoniaque! Je vous jure, il est démoniaque! Après, les abonnés vont pas me croire. C'est comme Takou, il est démoniaque, mais en vrai, les abonnés, ils sont trop en mode « Ah, Takou, il est trop mignon et tout !» Je vous jure, à chaque fois dans les vidéos Minecraft School, ils sont en mode « Oui, il est trop chou et tout !» Mais ils savent pas qu'il est démoniaque. En plus, il a un chat de Satan, je vous jure. Son chat, c'est Satan. Il fait des rituels avec. Pour Halloween et tout, il faisait des rituels. Je l'ai vu. Il avait du sang dans les yeux et tout. J'ai rien fait, mais oui, c'est ça. Hein. C'est toujours ce que les coupables disent. Oh, j'en peux plus. Ils jouent un double jeu, de ouf. On essaye de faire un arbre un peu différent, genre en style. Parce que sinon, bon. Je sais pas ce que c'est comme arbre, ça, mais je vais faire un arbre bizarre, ok? Putain, faut peut-être que je mette des poutres, quand même. Des bûches. Je vais faire un arbre, il s'appelle un templier. Voilà. Je sais pas si ça existe. C'est pas grave. Voilà. Il va avoir trois branches comme ça. Le templier. Des rituels sataniques, comment? Bah, en fait, il donnait des croquettes à son chat. Et après, il faisait des cercles avec de la litière. Voilà. C'était ça comme rituel. Après, il a allumé une bougie. Il a dit « Miaou, miaou, je t'invoque. » Démon Gizmo. Voilà, il faisait ça. Ouais, c'est dégueu en plus. Hein. On est d'accord. Il faisait ça. Quoi, le sondage? Est-ce que Gaël est adorable? J'espère qu'il y a non. Oui, non. Ok, votez non, votez non, votez non. L'arbre est vraiment bizarre. T'inquiète, c'est un arbre templier. T'inquiète, c'est... tu vas voir. C'est un arbre spécial qui pousse depuis des millénaires dans la forêt de la sorcière. Non, votez non! Votez non! Pitié! Je me fais bully par les modos. Il pue, Gaël. Ça, je sais pas, parce que j'évite d'aller trop près. Quoi? 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 Non, en vrai, il va être trop beau, mon arbre. Regardez déjà le début. Regardez comment il est beau. Vous le trouvez pas beau? Moi, je dirais que je l'invite à sortir boire un verre. Là. J'en peux plus. On aime tous Gaël. Ouais, voilà. Faites semblant. Mais votez non, quand même. Votez non, quand même, par contre. Voilà, votez bien non. Oh, quoi? Il y a 50%! Mais non, mais c'est cheaté! Il y a 12 qui ont voté oui et 12 qui ont voté non. Mais non! Mais c'est incroyable! Mais c'est insane! Mais c'est insane! Il y a égalité! Mais j'y crois pas! Non, 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 non. Moi, je dis faut refaire, là. Ça va pas. Faut mettre non. Faut mettre non, les gens. Ça va pas. C'est quoi cette égalité, là? Ils ont truqué les votes, de toute façon, les modos. Putain, vous savez, hein, faut pas faire confiance. Les pauvres, il y en a qui vont prendre au premier degré, qui vont être en mode « Ouais, alors les motos et tout. » Oh non, non, je rigole. Hein. Regardez, il est beau mon arbre ou pas? Eh, moi je dis qu'il a du flow, mais de malade. Hein. Il est trop BG mon arbre. Il est trop beau. Qu'on fait un tip, ça s'affiche, ouais. Ah, tu veux dire un tip Tipeee? J'ai pas compris. Peut-être j'ai pas compris. Merci beaucoup! Merci Kitsu! Merci. Faut faire un second tour. Avec que des noms cette fois-ci. Comme ça, ce sera un peu plus réaliste. Ah. Non, je suis pas diabolique moi. Regardez, il est beau mon arbre ou quoi?
Et moi, je le trouve trop beau. Par contre, faut un petit peu plus l'étendre ici, j'ai l'impression. Qui sont un peu plus fluffy, quoi. Voilà. Il est beau ou pas? Eh, moi, je le trouve grave beau, hein. Franchement, ça change des autres arbres, non? Ça, ça va faire un arbre de templier, quoi. Vas-y, on va en faire un autre. Là, on fait quoi comme arbre? Je sais pas trop. Attends, on va le reculer un peu. On va le mettre par là. Est-ce qu'on essaye de faire un boulot? Mais un vrai boulot, hein. Attends, mais c'est chaud comment c'est fait les boulots, moi j'en sais rien en fait. On va essayer de faire un vrai boulot. Et oh, et oh. Je vais chercher c'est quoi un boulot. Un en-vente. Boulot, arbre. Le boulot, Betula, est un arbre caduc originaire de l'hémisphère nord à forte rusticité. L'originalité du boulot, c'est l'écorce d'un blanc caractéristique. Cette particularité, associée à son port souple et gracieux, à la légèreté de ses petites filles, de ses petites feuilles, fait de lui un arbre très décoratif. Merci Kite ! J'ai fait un Tipeee ! Non mais c'est normal, ça s'affiche pas sur le live. C'est normal. C'est normal, mais merci beaucoup. J'irai voir après le live. T'as choisi une contrepartie ou pas ? Est-ce que t'as choisi une contrepartie ? Oh, trop bien, t'as choisi un courrier ! Tu sais que tu es le premier à avoir choisi le nouveau format des courriers. Du coup, je suis trop contente. En plus, j'ai acheté du papier trop beau. Genre, c'est un papier genre un peu ancien et tout. Et j'ai acheté aussi de la cire pour mettre sur le papier et tout. Oh, je suis trop contente. Oui, je te préparais ton courrier, du coup. Trop bien ! Trop contente ! Oui! Ok, bon, je vois à quoi ça ressemble à un boulot, donc au boulot maintenant. Allez hop! Oui! T'es le premier, parce que le nouveau format, je l'ai sorti en fait il y a très peu de temps. Du coup, voilà. T'es la première personne à avoir pris le nouveau format. Je suis trop contente. J'aime trop en plus vous préparer les courriers, hein, je vous jure. Hein. J'y mets vraiment du soin et de l'attention et tout. Oh, c'est le speak English! Ok, so now I'm gonna speak in English for 5 minutes unless you use the speak French button. You can use it if you have channel points, yes. Of course, my dear. Yes, so I'm doing a birch tree. I don't know what... it's right in English? Yes, I think so. So hello, Yaiko-san, hello. How are you? Thank you, sweeter. Thank you! Twitter is raiding actually when I'm speaking in English. Oh my god. No! I don't speak English usually. It's just a challenge. That was activated by... who's activated the challenge? By Jeremy. Jeremy has activated the challenge. But I don't usually speak English, okay? But I understand quite well the English. But yeah. I don't speak it often because I don't have English friends. Yeah, so I don't speak English. But yeah, I can speak sometimes. Oh no, no, Ged is not adorable, not at all. He's an evil man, evil. So for 5 minutes, what time was it? It was 1 minute ago, so we have 4 minutes left. Oh my god, the nightmare will last 4 minutes. Yes, extreme. Actually, it's true. It's true. Oh my god, that birch look like is sick. Il y a ce Covid. Oh non, the poor Birch. He's gonna die. No, Birch, please. Be beautiful. Please, be nice. No, Birch. What do you think of my Birch? I don't know.
I think he's ugly. No, please, don't judge! Don't judge the bitch! No! Please! He's gonna be fine at the end, okay? Yeah. Oh my god, no. I have like 3 minutes left in English. And after I'm gonna speak French, okay? So, yeah. Because it's nightmare for some broccoli. Yeah. So, some people in my community. Oh my god. Does it look like a birch tree? Oh no. I don't know. Oh my god. Oh my god. Stream stickers are ready. Oh no. Three, two, one, go. Okay, so now you can put some stickers on my face. Yeah. Stop it. Diana! Gail has a pretty bad influence on Diana. She's getting, like Gail. Yes. Oh my god. Oh, yay, yay. We're gonna do it, guys. Yes. We're gonna succeed. Where am I? I'm nowhere. No. Oh, help me. Ah. No. I'm nowhere. You can't see me anymore. There's too many stickers. No. No. Oh no, there's too many. Hi everyone, thank you for the red Twitter. Sorry you came in the bad moment, I will say. No, I have sticker all over my face. Leave me alone. They're gonna disappear, okay? It's gonna be fine. What do you think of my birch tree? I think it's okay. I don't know. Ah ok, c'est fini l'anglais. Oh my god! Je vous déteste tous un par un. Sauf Twitter. Merci Twitter pour le raid, merci beaucoup. Non mais vous êtes arrivés au pire moment les gars là. Vous êtes arrivés quand ils me font parler anglais. Non mais s'il te plaît. L'horreur. En plus j'essaye de faire un truc de boulot là. Regardez sa tronche au truc. Pauvre machin. En vrai de loin en plissant les yeux je pense que ça va. Hein. Oh l'enfer. Non mais oui t'as vu ce qu'ils me font subir. C'est des sauvages. Je subis trop là. Là je fais mamie j'aurai. Regardez je me plains. Je te jure. Bah là, du coup, je suis en train de faire des arbres custom. Et on teste des trucs. J'ai fait ça, ça, ça. Là, j'ai testé de faire un truc de boulot. En vrai, ça passe, je pense. Je pense qu'on comprend que c'est un bois de boulot. C'est gentil, Twitter. Merci beaucoup. Fallait pas, hein. T'inquiète pas, hein. Je fais pas des raids pour être raid en retour, hein. Vraiment, pour aider les gens à passer... parce que t'as pas mal de monde qui sont pas encore affiliés. Passer partenaire et tout, parce qu'il faut un certain nombre de viewers, en fait. En moyenne, donc voilà. Je sais que ça peut aider des gens à passer leur affilié ou leur partenaire, donc je le fais de bon cœur. Voilà. Bon, en vrai, il est pas si mal, notre arbre de boulot. En vrai, ça va. Hein. Ça va. Salut Nico, loulou, coucou, coucou tout le monde. Hello, hello. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait un arbre mort et à côté, un boulot. En vrai, il est pas mal, hein. Eh, je crois que j'ai réussi un truc, là, hein. Eh, franchement, il est bien, non?
Franchement, je dis bien. Je dis bien. Après, je crois que c'est pas tout à fait comme ça, les boulots, en réalité, mais... Il se démarque un peu. Un cactus, mais non. C'est trop méchant. Olmad. Mais, viens faire des arbres, là, Olmad, viens. Ouvre ton Minecraft, là. Ouvre ton Minecraft, viens faire des arbres, tu vas voir, toi. Tu vas voir, toi. Ouvre ton Minecraft, là. Non, mais oh. Mais j'y crois pas, mais je rêve. Je peux pas, je modère. Ouais, ouais, ouais. Ah, les excuses. Ah, mais vous voyez les excuses. Ah, les excuses. Gaël, viens faire un arbre, là. Mais non, mais c'est pas un cactus. Mais... Vas-y, je vais essayer de faire un pommier, maintenant. Mais... Grave, grave, ils esquivent, là. Oui, non, je modère. C'est ça, ouais. À d'autres, hein. Franchement. Non, mais je te jure. C'est vraiment les pires, hein. Oui, oh. En plus, ils traitent mes arbres. Non, mais oh. Non, mais j'hallucine. J'hallucine avec eux, hein. Pas possible. Vous voyez, hein. Après, ils vont dire, ouais, c'est Gaël. Franchement, il nous a rendus sauvages et tout. Ouais, ouais, ouais. Ça vous arrange bien que c'est Gaël, en vrai, hein. Mais grave, hein, ça les arrange. Avouez, hein. Hein, Diana, ça t'arrange bien, hein. Pour une fois que je suis avec Gaël, là, c'est rare, hein. Donc, profites-en bien. Ça va pas durer. Chez Colma, je suis d'accord avec lui. Non, mais oh, mais dis donc. Mais c'est quoi, ah, bah, le voilà. Ah, bah, le voilà. Vas-y, va faire un arbre, là. Va faire un arbre. Allez. Et que ça saute. Je sais même pas où il est. Le modo. Attends, mais t'es en survie. Attends, mais... Ah, du coup, je... Viens là. Viens là. Oh non, j'ai pété la baraque. Attends, je vais t'en créer un. Ils sont partis le buter. Oh, j'en peux plus. C'est bon, le mat, c'est bon. C'est bon. Oh, il s'est excusé, c'est bon. Oh, ça me fume. Mais non, mais il a trop mal parlé de mon boulot. Je jure, il a trop mal parlé. Bon, on va faire un pommier avec des pommes. Comment on fait des pommes dans Minecraft? C'est simple. Vous faites rouge. Vous prenez ça. Et vous mettez des pommes. Hop. Bon, les pommes, ça a tendance à être en dessous, quand même. Bon, des fois, c'est au-dessus aussi. Hein. Purée, j'avais vu sur Twitter une vidéo d'un... au Mexique, comment ils ramassent les oranges. C'était impressionnant. C'était un espèce de machine qui se mettait autour de l'arbre et qui secouait l'arbre très fort et il y avait toutes les oranges qui tombaient. C'est un truc de fou. Ouais, ouais, je... Ouais, oui. Non, mais je... Non, aucun modo n'a été abîmé pendant ce live. Pas du tout. On dirait un parasol. T'inquiète, ça va être un gros pommier. Regardez, c'est beau les pommes, hein. Regardez-moi ça. Voilà. Feuille en octogone, j'avoue. J'avoue. Donc là, on met un peu les feuilles n'importe où, là. Faut remplir, en fait, hein. Bleu, 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 bleu. Là, on fait le tour, on met des feuilles. Let's go. Ouais, c'est des pommes de ouf. T'inquiète. C'est des pommes, t'en manges une, t'es bien pour toute la semaine. Mais ça va pas, non, Kit. Mais ça va pas, non, mais... Mais je te jure, j'ai halluciné quand j'ai vu la vidéo. Y'a personne qui l'a vu, la vidéo des oranges en Mexique? Parce que des fois, ça arrive que les vidéos virales, on soit plusieurs à les voir et tout, mais... Personne. En fait, les blocs, surtout pour faire voyer la couleur, en fait. Quand on sera au loin, on verra des trucs rouges. On se dira, oh, tiens, un pommier. Non, vous l'avez pas vu. Oh, dommage. Toi, tu l'as vu, Ninon? Eh, c'est trop bien fait, hein. C'est un truc rond qui entoure l'arbre. Et ça secoue, et ça tombe plein d'oranges. Trop bien fait. J'étais choquée quand je l'ai vu. Tu fais quoi, Jérém? Tu fais l'inspecteur des travaux finis? Bye, Pierce. Je vous jure, c'était trop stylé. C'était un secoueur d'orange, le truc.
Bon appétit. Qu'est-ce que je mange, moi, ce soir? J'ai envie de sushi depuis genre 3-4 jours, là. En vrai, à chaque fois que je dis que j'ai envie de sushi, à chaque fois que je vous dis ça, je me corrige. De plus, c'est les makis. En vrai, les makis, c'est beaucoup plus complexe que les sushis, je préfère. Trop bon, avec l'avocat, le fromage. Les makis au concombre, c'est trop bon aussi, ça croque de fou. J'adore. Jérémy, il fait des batailles de boules de neige. T'as plus de boulot, là, Jérémy? Il y a plein d'arbres à faire, si tu veux nous aider. Ça. Ils ont plus rien à faire, les brocos, là, ça y est. Après, les trucs resto chinois à volonté, là, je suis moins fan maintenant, parce que, bon, déjà, en plus, c'est pas vraiment... vraiment chinois, en fait, c'est asiatique. Parce que t'as autant des yakitori, genre, normalement, c'est des trucs japonais, que des sushis, que des fois, il y a des ramen, des fois, il y a des algues, des nems, beaucoup de fritures. Enfin, c'est bizarre, des fois. Des fois, t'as des trucs qui n'ont rien à voir, tu sais, avec la Chine. Et ils disent, ouais, restaurant chinois, ils mettent ça dedans. Bizarre. Donc en fait, genre les yakitori, c'est japonais. Les sushis, c'est japonais. Bizarre. Les ramen, je crois qu'il y a plusieurs pays asiatiques qui en font des ramen. Je crois qu'ils ont un peu tous leur spécialité, non? Comme les gyoza, c'est pareil, non? Les ravioles. Je crois, hein, je suis pas sûre. Je m'y connais pas sur le bout des doigts sur la cuisine asiatique. Mais! Va donc faire des arbres, toi! Au lieu de me jeter de la neige, là. Non, mais oh! Ah, j'adore les gyoza, c'est trop bon. Les vapeurs aussi. Mais en fait, par exemple, à la Réunion, dans certaines îles, t'as des trucs qui ressemblent... par exemple, les bouchées vapeurs, là. Ben, en fait, à la Réunion, il y a les bouchons. Et ça ressemble de fou, sauf que c'est avec de la viande dedans. Par exemple, aussi, t'as des trucs genre les samosas. T'en as aussi sucrés dans les pays arabes et tout. En fait, t'as un peu... t'as des spécialités comme ça qui sont un peu différentes dans d'autres pays, mais en vrai, c'est la même pâte et tout. Comme les rouleaux de printemps, tu vois. En vrai, c'est juste de la feuille de riz, quoi. Ou par exemple, les feuilles de brique, bah... Les bouchons, c'est quoi, à la Réunion? C'est de la feuille de brique aussi? Je sais pas. Mon terme. Entourez-moi de bedrock. Bah, de toute façon, t'es en créa, donc tu pourras quand même le casser. Dommage, hein. Sinon, non, rien. Ça impose, hein. C'est moche. Hop. Non, c'est moche! C'est dégueulasse! Alors, hop, on va mettre bien des pommes en dessous quand même, qu'on voit de loin. Peut-être un peu trop quand même. Vous en pensez quoi de la forme là? Elle est pas mal, hein? Je pense qu'elle est pas mal, hein. Ouais, ça ressemble à un pommier, hein. Faut juste que j'épaississe un peu. Bon, Jérémy, tu nous aides ou tu fais quoi, là? On va mettre des pots, maintenant. Quelques petits pots. Sympa. Tu nous aides ou quoi? Parce qu'il y a du boulot, là. Hein. C'est bizarre si je mets ça là. En vrai, il y a plein de passages secrets à faire s'il y a quelqu'un qui est chaud en redstone. Ah non, il n'y a pas le mot de champ. Il n'y a pas le mot de champ. Ah oui, c'est vrai, il y a les têtes aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a les têtes de pommes. Après, les têtes, faut pas trop en mettre non plus parce que les joueurs qui ont une petite config, ça les fait bugger. Et là, le fait de mettre des blocs, en fait, avec la transparence des feuilles, ça ajoute vraiment du rouge, en fait. Ça ajoute une couleur dans les arbres. Même si c'est léger, on le voit, quoi.
Mais ouais, c'est vrai, il y a les pommes. Bah, je peux en mettre, mais pas beaucoup, quoi. Parce que sur les trucs comme ça... C'est quoi, déjà? Ah là là! Attendez. Attendez, je cherchais la commande. J'en peux plus aujourd'hui, j'ai trop la gorge en riant. En vrai, il y a plein de custom aids aussi, mais ça peut faire beaucoup laguer. Surtout que sachant que c'est une map aventure qui sera en solo, donc ouais. Food and drink. Pourquoi il n'y a pas la pomme sur le site? Oh, j'en ai trop marre des allergies, hein. Ça me saoule. D'ailleurs, pour le bar, on pourra mettre des têtes de bière et tout. Je vous montre ce que je fais, parce que là... Je suis en train de chercher les têtes. Je suis en train de chercher les têtes de boules de pommes. Je crois pas que c'est dans les customs, hein. Je crois que c'est dans les player heads. Mais pourquoi quand je vais dans food and drinks, on les a pas? C'est bizarre, non? Je bois pas de lait, Nicouloulou. J'en bois pas. Mais en fait, j'ai des médicaments pour les allergies, mais c'est chiant, quoi. J'en ai pas pour la gorge, en fait. J'en ai pour le nez, j'en ai pour les poumons, j'en ai pour les yeux, mais j'en ai pas pour la gorge, donc... Oh, regardez le corne, il est trop mims. Mais pourquoi y a pas les pommes là-dedans? C'est dans quoi, les pommes? Bizarre. Je cherche là. Non, non, faut pas en mode, non. Après, on a les comme ça, mais les comme ça, elles sont un peu... C'est pas la vanilla, celle-là. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est avec les commandes coucou d'accou. Alors, attendez, on va faire autrement. Mais... En plus, le site, il est grave lent, hein. On va prendre n'importe quel. C'est une carotte. Oh, mais... Gru. C'est une carotte. Vas-y, on va prendre la carotte. On va faire. Ah, faut que je whitelist Gaël. Attends. Je suis un peu occupé là. Damn, son. Damn, son. Mais... Salut Anak. Alors attendez, les pommes. J'arrive. Hein. Cull owner. On va l'appeler pomme. Est-ce que ça a marché? Oui. Elles sont pas très belles celles-là, mais bon. Arrête, Jérém, s'il te plaît, c'est relou. Oh. Voilà. On va pas en mettre beaucoup, hein. On va pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va être moche. Enfin, et ça risque de faire laguer en plus. Ouais, je vais en mettre que deux, je pense. Deux, trois, c'est bien. Ok. Nice. Bon, bah, on a fait les pommes. Oh non, mais ils m'ont collé une étoile sur la tronche. Mais ça va pas ou quoi? Dis donc, hein. Bande de... Bleu bleu. Ah, attends, Gaël, c'est quoi ton pseudo en vente? En vente. T'es en vente ou pas? En vente. J'espère qu'il va nous faire des arbres en vente. Hein. Ah, t'es en vente? Vraiment? C'est combien? Moi, je dis gratuit, hein. Ah, trop bien! C'est l'arbre d'Olmat. Mais pourquoi il l'a fait à côté des toilettes? Mais vous êtes possédé, hein.
Bon, moi je l'ai fait pas loin, donc je vais rien dire. Les items frame invisibles, tu peux pas faire les commandes. Attends, je vais t'en donner. Vous pouvez pas faire les commandes, vous êtes pas OP. Faut juste que je retrouve la commande. Trop cher pour moi. Ah ouais. Elle est où, Phoenix? Tiens. Bah, Illumin, t'as fini ta maison, du coup? J'aime pas trop la forme de la... de gîte, là, mais bon. Elle est trop cool. J'aime trop. Allez, pipou. Mais j'en ai vu. En forme de rubis, ouais. J'aime pas trop la forme hein, de la taverne. Hein. C'est pas ouf, hein. J'aime trop le toit, il est trop cool. Nice. Sympa avec les petites couleurs, là. Il a mis des petites, petites notes colorées, sympa. Bah oui, tu peux changer, ouais. Vu que t'as pas fini encore. Ah, il s'est noyé, Gaël. Purée, mais qu'est-ce qu'il est pas doué, celui-là. Attends. Là. Oh, comment t'as fait, le chapeau de sorcière? Oh, mais moi, je le veux. Oh, je te déteste. Mais ça fait peur, ça. Tu détestes, Gaël. Je te déteste. Pourquoi il a un si beau chapeau de sorcière? Ah, c'est mon pack. Mais pourquoi moi je l'ai pas? Pourquoi moi je l'ai pas? Donne, s'il te plaît, le chapeau. On peut l'activer sur Optifine, comment on fait? Comment on fait? Comment? Ah, mais ma cape, elle est inactive. My cape is inactive. Vole-lui. J'aimerais bien lui voler. C'est avec Optifine. C'est pas grave. Un arbre avec une fleur de sport. Ouais, mais pff, ça fait bug. Hein. Faut pas en mettre partout. On en a déjà mis près du marais. Les fleurs de sport. En fait, ça fait beaucoup de particules. Et je vous rappelle que la map, elle va être en solo. Donc ça veut dire que... Ouais, c'est bon, j'ai fait les cadres. Merci, Corbac, pour... Very good accent. Merci, Akero. Bannir une action en jeu volé. Ah, j'ai pas le droit de voler pendant 5 minutes. Merci, Anak. ça va être compliqué pour faire les arbres. Alors, ils sont où, les prochains arbres? S'envoler en créa, quoi? Non, mais... Vous abusez. Alors, il y a un arbre ici, mais je vais pas le faire parce qu'il est près des toilettes. Purée, je vous déteste. Je vais faire lui. Je vais faire cet arbre-là. Après, si vous voyez qu'il y a des endroits vides, vous pouvez faire un autre arbre. On fait quel bois? Je vais faire un boulot. Mais ça va être trop dur, un boulot s'envoler. Après, c'est pendant 5 minutes, donc en vrai... En vrai, voilà quoi. Ça va le faire. Puis on crée un. Bon. Ah, bonne question. Je suis quelle maison Je suis de quelle maison Si j'étais à Poudlard. Il y en a beaucoup qui le savent parce que j'avais fait déjà un let's play. Yes. Et en plus, j'ai un t-shirt serpentard, quoi. Je l'aime trop. J'aimerais trop avoir l'écharpe serpentard et le pull et la casquette. Et genre, moi, après, je me déguise et je vais à Serpentard. Le pire, c'est que je les ai vus en convention, mais ça fait un peu cher, quoi, de tout acheter le déguisement serpentard. J'aimerais trop... Serpentard, en fait, c'est les plus malins. C'est pour ça, moi, je suis serpentard. Ils sont trop malins. Hein. Je vous jure. Ils sont trop smart en fait. Vous savez pas vous, mais ils sont trop smart. Bon, par contre, ça va être trop chiant de faire un arbre sans pouvoir voler. Mais vas-y. Je relève le défi. De toute façon,
Il reste encore... c'est 5 minutes, on m'a dit. On est à 2 minutes, là, parce que je l'ai vu quand c'était 1 minute. Et là, c'est 3 minutes, donc 2 minutes. Donc, il me reste 3 minutes sans voler. Voilà. Mon perso préféré ? Bah, c'est différent quel écoche serait versus mon perso préféré. Moi, un de mes persos que j'aime bien, j'irais Dumbledore. Tom Jedusor, j'adore lui. J'aime bien aussi Neville Londubat. J'aime bien Luna Lovegood. J'aime bien Hagrid. J'aime bien Minerva McGonagall. J'aime bien Hermione. Ron, je l'aime pas. Désolé, il m'énerve de fou. Ron, il m'énerve. J'aime bien Sirius. J'aime bien... En vrai, j'aime trop de persos. Hein. J'aime bien aussi... comment elle s'appelle ? La tante de Drago. Comment elle s'appelle, la folle ? Bellatrix Lestrange, je l'adore. J'adore surtout l'actrice qui l'incarne, elle est incroyable. En vrai, dans le livre, je l'aimais trop pas, ce perso. Mais l'actrice qui l'incarne, elle est incroyable et je trouve qu'elle lui... Ah, Trelawney, je la déteste. Je la déteste. Mais dans le bouquin, déjà, je la détestais. Ça, ils l'ont trop bien retranscrit. Le personnage, je le détestais dans le bouquin. Elle m'énervait de fou. Elle était en mode... Les noirs. Ah, je la déteste. Merci pour le glouglou. Putain, j'ai plus d'eau, là. Je la déteste, Trelawney. C'est celle que je déteste le plus, je crois. Après, j'aime trop tous les animaux. Ombrage. Non, Ombrage, je la déteste aussi. Non, Trelawney, je la déteste, vraiment. Elle m'énervait avec ses prémonitions, je sais pas quoi. En fait, déjà, Hermione, elle déteste ce cours, et dans les bouquins, c'est vraiment expliqué en mode « Non, on va dans ce cours de nul et tout. » Mais si, c'est elle, quand elle voit le loup noir dans la tasse, elle pète un câble. Je la déteste. Voilà. Ombrage, je la déteste, mais ça, c'est un personnage qui est fait pour être détesté, donc voilà. Voldemort, il est sympa. En vrai, j'adore l'histoire de Tom Jedusor et tout. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime bien le serpent aussi, Nagini. Je déteste Peter Pettigrew. J'adore Lupus. Enfin, Lupin. Voilà. Je crois qu'on a fini. Ah non, il reste encore 1 minute. Encore 1 minute sans voler. Oh my god. Libre Flan. Elle est libre, Flan. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Oh, il ressemble à rien, mon boulot. Oh my god. Vivement que je puisse voler, parce que là, c'est dégueu. Elle est libre, Flan. J'ai rencontré la femme qui fait sa voix Trelawney. Oh, est horrible. Mais après, elle l'a très bien fait, hein. Elle a très bien fait le perso, mais... Elle est affreuse. Je la déteste. Comment elle pète un câble en plus. Mais elle reste pas longtemps aussi. J'aime bien le centaure par contre, qui leur fait des cours. C'est en quelle année le centaure? Je sais plus. Bon, ceux qui ont rien à faire, vous pouvez vous déco, hein. C'est juste pour gêner les autres qui construisent, c'est pas très sympa. Je sais plus en quelle année il est le centaure. Je m'en rappelle plus. Ouais, j'aimerais trop. Les hippogriffes, les dragons, j'adore. Vraiment trop bien. J'aime trop. J'ai plus d'idées. Bah, la taverne, je sens que c'est moi qui vais la faire parce que... Quelqu'un sait comment build des WC. Non ! Ok, c'est bon, je peux voler, je crois. Je vérifie. Ouais, c'est bon, let's go. J'ai le droit de voler. Il est affreux, mon boulot, là. Il y a tous les arbres à faire, il y a la déco et tout, il y a plein de trucs à faire. Hein. Si vous voulez aider, il y a de quoi faire. Après, si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas inspiré, bah, vous pouvez déco et profiter du live en le regardant sur le chat, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'embêter les autres qui font des trucs, quoi, qui avancent sur la map. Yes! On aurait dit que... Tu as commis des atrocités. Mais non, mais n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Et faut pas les croire, hein. Non, mais moi, je fais pas des atrocités, moi. N'importe quoi. C'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai, hein. Juste, ça avait le goût de poulet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense.
Non, mais non! Non, ça fait peur, ça, en plus. Moi, je fais pas des atrocités. Ouais. Mais quoi? 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 C'est de la faute de Daku. Je vais être recouverte encore. Non. Non. Au secours. Au secours. Aidez-moi. Au secours, je suis recouverte. La 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 la. Où va bien. Ouais, c'est où il y a les blocs d'or, les arbres. Non. Non, le cupcake, oui, oui, plein de cupcakes. Mais non, mais en plus, ils mettent les plus gros. Comme ça, ils sont sûrs. Non, mais vous êtes vraiment les pires. Vous êtes les pires. Moi, je vous le dis. Voilà. Les pires. Voilà. Les pires. Vraiment. Oh. Franchement, il est pas si moche, mon boulot, non? Attends, on va l'allonger un peu. Au moins, j'aurais proposé un truc un peu différent, quoi. J'en ai jamais fait. C'est mes premiers boulots de ma vie. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein? Non, vous êtes pas mignons. Mais, oh, les donuts! Oui, je veux des donuts. Cram, 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 cram. J'ai mangé tous les donuts. J'ai tout bouffé. Ha ha! Vous n'aurez rien! Je vais manger tous les donuts! Mais oui, j'ai disparu. Ils m'ont rempli de trucs, là. Le cupcake. Trop mignon. Il est trop chaud, ce cupcake-là, aussi. Trop pipo. Voilà. Et il est beau, mon boulot, ou pas? Et moi, je trouve grave stylé, hein. Je trouve beau, en vrai. Je trouve qu'il a du charisme. Oh, la glace, elle est trop mime, ça aussi, en vrai. Elle est trop chou. Elle est trop pipou, la glace. Moi, je sais pas faire les rires comme ça, trop mignon. Je suis pas assez cute. Je suis pas assez kawaii. Comme ça, c'est trop mignon. Trop pipou. Tchatchan ! Et voilà mon boulot. Nani ! Nani ! Tintin ! Ça vous amuse, les stickers, hein? Il y a un début à tout. Bah, mon premier, ça, c'est mon deuxième. Moi, je trouve qu'il y a de l'amélioration, déjà, entre le deuxième et le premier. Le premier, il est là-bas. Ça, c'est le premier. Il est peut-être pas assez haut, lui. Il est peut-être un peu trop touffu pour un boulot. Ça, c'est mon premier boulot. Voilà. Et mon deuxième, je trouve qu'il est déjà mieux. Ça, c'est mon deuxième. Voilà, mon deuxième boulot. Je trouve qu'il est déjà mieux, n'empêche. On va peut-être faire un peu plus long, là. Déjà, il y a de l'amélioration. Non? Vous trouvez pas? Bah, c'est en faisant qu'on devient forgeron, hein. Donc, voilà, hein. Je forge. Écoutez, ça va venir, hein. Voilà. Ouais, ça avance bien, la map, de fou, hein. Là, on va faire des arbres. Là, pour le moment, on se focus sur les arbres. Là, il y a la taverne, mais la taverne, je pense... Elle est compliquée à construire, hein. En fait, faut que ce soit assez grand, parce qu'il faut qu'il y ait aussi un côté gîte. Restaurant, gîte. Donc, à l'étage, il faudra faire des chambres. Il y aura un côté hôtel, quoi. Donc voilà, là j'ai fait un arbre mort, j'ai fait la maison de la sorcière aujourd'hui. Et là on fait des arbres custom pour améliorer le village, quoi. Et après, vous voyez, il faudra mettre des feuilles, tout ça, un peu de végétation, quoi. J'ai fait le potager aussi, regardez, il est chou, non? C'est écrit dans le titre, louloute. Trois premiers mots, build, map, abonné, voilà. Non, map aventure, pardon. Build, map aventure, voilà.
C'est écrit, hein. J'ai fait exprès de... Je fais exprès toujours dans le titre de mettre des trucs assez concis et tout, précis, pour pas que vous ayez 50 ans pour comprendre ce qu'on fait, quoi. Oui, très moche cette herbe-là, d'ailleurs. Qu'on lui coupe la tête! Vous voyez, donc il y aura pas mal d'endroits où il y aura des arbres, en fait. Et puis peut-être autour de la ferme aussi. Enfin, je sais pas jusqu'où il veut agrandir l'exploitation. Exemple d'un arbre qui ressemble à rien. Non, mais t'inquiète, fais de ton mieux. Hein. Lui, il est cute. Il est pipou. Il est trop pipou, lui. J'aime bien. C'est le mat qui l'a fait, lui, non? Il est trop pipou. En vrai, mon boulot, il est pipou aussi. Hein. Il est pipou. J'aime bien. Je peux mettre des lanternes là, en fait. Pipou boulot. Il est trop pipou. Voilà. En vrai, je m'en suis bien sortie, je trouve. Je suis sur tel. Moi, je suis sur ma chaise. Ta couille encore là ou pas? Ta couille? T'es encore là? T'es encore là, ta couille? Non, ah, La 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 la. La 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 la. ok, donc, je fais un autre arbre. J'essaye de faire quoi? Mais il va être gros là, ton machin, non? Je sais pas. J'essaye de faire quoi comme arbre? Là, il y a de la place. Vas-y, je vais en faire un là. Déjà, on a plein de feuilles, hein. On peut faire quoi? J'engole. J'engole. Non, rien, je faisais rien. Non, rien. Non, vraiment, j'ai... En fait, j'étais comme ça. Et je me demandais... Voilà. Crédible. Non, mais je faisais rien. Promis. Non, j'ai rien fait. Promis. Juré. Mais pas craché, parce que c'est pas très... Pas très poli, quoi. Oh, trop pipou, Valentin. Faut que tu nous montres. On veut voir, Valentin. Je vais essayer avec du bois un peu écorcé, voir si ça rend bien. Ben... On va voir. Une puce, un pot, assis sur un tabouret. Jouais aux cartes, la puce se perdait. La puce en colère attrapa le pou, le flanqua par terre. Lui tordit le cou. Madame la puce, qu'avez-vous fait là? Je sais plus ce que c'est après. Un assassinat. Ta-ta-ta-ta, un assassinat. Une puce, un pou, assis sur un tabouret. Jouais aux cartes, la puce se perdait. Moi, je suis une mauvaise perdante, mais ça va, je me soigne. Quand j'étais petite, laisse tomber, j'étais trop une mauvaise perdante. Hein. Si on me laissait pas gagner, c'était compliqué. Hein. Mais après, en même temps, c'est débile aussi. Mes parents, ils m'avaient habitué à gagner à tout. Ils me laissaient gagner, en fait. Après, je suis d'accord que c'est déloyal de fight avec un enfant de 6 ans, mais... Bon, tu vois, dès que je gagnais plus, après, j'étais frustrée de fou. Fallait pas qu'ils m'apprennent à gagner tout le temps. Qu'après, à l'école, en plus, c'est sûr, tu vas pas gagner tout le temps. Hein. Donc bon. Voilà, quoi. Abusé. Après, j'étais frustrée quand je gagnais pas, je comprenais pas. Que j'étais toujours la meilleure, je gagnais toujours à tout, et d'un coup, hop, je gagne plus. Tu vois, je suis frustrée. Je me transforme en... folle. Voilà. Ça marche, Lou, bon jeu. Octogone, mais de fou. Mais j'avais perdu aux dames avec ma tante, parce qu'elle avait joué avec moi. Sauf que moi, je croyais que je gagnais tout le temps, tu vois.
Je croyais que j'étais trop forte, de ouf. Du coup, j'étais devenue mauvaise joueuse. Mais c'est un peu contre ma volonté, parce qu'en fait, mes parents, ils me laissaient gagner tout le temps. Ma grand-mère me laissait gagner et tout. Ils me laissaient tous gagner. Je croyais que j'étais trop forte, tu vois. Le jour où j'ai perdu contre ma tante, j'ai balancé le jeu de dames. Et je refusais de lui dire au revoir. Ça l'a marqué, hein. Je peux vous dire, elle me le raconte des fois. Elle me dit, ouais, quand t'étais petite et tout, tu voulais pas me dire au revoir et tout, tu voulais plus me parler. Je te jure, j'étais une cinglée. Non, mais aussi, moi, je savais pas c'était quoi perdre. Mes parents, ils faisaient frais de perdre. Je connaissais pas. J'étais toute petite, hein. Vraiment toute petite, hein. J'avais dit non, je te dirais pas. Je te dirais pas au revoir et tout. Je faisais la crise. Parce qu'elle avait gagné. Bon, en vrai, c'est pas une bonne chose de laisser les enfants gagner, du coup. Si vous avez des frères et sœurs, les laissez jamais gagner. Non, une fois de temps en temps, mais... Faites-leur comprendre que c'est normal de perdre. Et qu'on apprend peut-être même plus des fois en perdant. Non, moi, j'avais pété un câble, je te jure. Après, on disait, ouais, elle est mauvaise joueuse. Mais non, je suis pas mauvaise joueuse, c'est juste qu'on m'avait pas appris que je pouvais perdre. On m'avait juste appris que, ouais, je suis trop forte, bravo, wouh, trop forte. Donc voilà quoi, c'est normal que je pète un câble. Faites de la coop, j'avoue. Mais faut apprendre aussi, je pense que c'est sain, tu vois, de savoir que tu peux perdre, parce que sinon, tu deviens sardoche quoi. Donc voilà. Non, mais bon. Voilà. Moi, j'étais trop vénère, hein. Je vous jure. Mais après, j'avais un caractère assez fort, mais bon, voilà, quoi. Il faut... Je pense qu'il faut apprendre à accepter les défaites, quoi. Après, tu pètes un câble, sinon. Dans tout ce qui est compétitif, tu pètes les plombs. Compliqué avec une fracture. De quoi de jouer? Je vous ai raconté la fois où je sais pas pourquoi on avait pété un câble. En fait, à côté de chez moi, quand j'étais petite, il y avait un parc et on jouait littéralement tout le temps dedans. Vraiment tout le temps. Et il y avait les voisins et tout, machin, bref. Et une fois, je sais pas pourquoi, avec ma soeur, on a pété un câble. Et pendant toute la journée, on a fait des hommes préhistoriques. Et on disait « Caillou, caillou, caillou !» Toute la journée. Il y avait des gens qui passaient dans le parc et tout et qui nous regardaient. Et nous, on faisait « Wow, 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 caillou, caillou, you, caillou !» J'étais pas une enfant normale. Salut, Nismoine. Je vous jure. On faisait les hommes préhistoriques, t'as vu? Je crois que je devais étudier la préhistoire à l'école à ce moment-là, et ça y est, j'en pouvais plus. Et les gens, ils passaient et tout, en mode... Ok. Yuka, yuka, kayu, kayu. Ouais, on faisait les sauvages. Ah là là, j'en ai fait des trucs dans ce parc, hein. Je me rappelle, une fois, il y avait de l'orage. Et on était dehors avec ma sœur. Mais en fait, c'était juste à côté, hein, d'où on habitait. On aurait pu rentrer chez nous, tu vois. Et je sais pas pourquoi, dans notre tête, on était en mode survie et tout. On s'était mis sous la table de ping-pong. Tu sais, c'est les tables de ping-pong que t'as dans les villes. Donc elles sont scellées, elles sont très, très épaisses, en gros. Et elles peuvent abriter deux enfants, tu vois. Et on s'était mis sous la table de ping-pong, comme ça. Et on était en mode... Ouais, on survit et tout. Je sais pas, on était dans un délire. On faisait couler un tas, IRL, mais grave. On fait ça. Je te jure. On était en mode, oh, la pluie qui bat. En fait, quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'imagination. Et... Bon, ça a pas trop changé, mais voilà quoi. Du coup, ce qui fait que ça donnait parfois des situations un peu cocasses. Et... Comme le fait que je survis sous une table de ping-pong, tu vois. Ah, ce que j'aimais trop aussi dans ce parc-là, c'est qu'il y avait un endroit où, en gros, il y avait des feuilles, tu vois, qui dévalaient.
Et les parents, ils allaient jamais là-dedans parce que c'était un peu genre le repère des enfants et tout. Et il y avait des morceaux de cailloux qui étaient de la craie, enfin qui faisaient de la craie. Je crois que c'est de la... Si je me trompe pas, c'est du calcaire. Il y avait des morceaux de calcaire comme ça, de sédiments. Et on ramassait ces pierres blanches. Et en fait, des fois, il y en avait des grosses, tu vois. Et quand on les prenait, on les cassait en morceaux et on faisait des craies et on dessinait sur, dans le parc, sur le béton. C'est trop bien. Caillou, caillou. Non, mais j'avais des délires de ouf quand j'étais petite. Hein. Je vous jure. Je vous jure. Mais nous, on faisait du RP, on n'avait pas besoin de... Tu vois. Moi, je faisais le Roi Lion quand j'étais en maternelle. Hein. Je jouais au Roi Lion. Je vous jure, j'étais Simba et tout. On était à quatre pattes, on faisait les lions, on faisait grrr et tout. Et en primaire, on jouait à Pocahontas. Et moi, j'étais Pocahontas. Et en fait, à chaque fois, les filles, elles voulaient que j'aille embrasser un mec qui faisait, entre guillemets, John Smith. Sauf que moi, je voulais pas l'embrasser, t'as vu. Moi, j'avais pas un crush sur lui et tout. Du coup, à chaque fois, je disais... Mais je voulais déjà raconter ça en plus, hein, pour les plus anciens. À chaque fois, je disais... Non, je ne peux pas aller parler à John Smith. Je vais parler à grand-mère Feuillage. Et je courais dans la cour comme ça. Je courais. Je courais comme une tarée. Et j'allais parler à un arbre. J'allais parler à un arbre. Mais moi, je voulais pas aller embrasser un mec là. J'étais en primaire, s'il te plaît. Voilà quoi. Et je courais, je disais, non, je dois parler à grand-mère Feuillage. Oh, je te jure. C'était trop... En vrai, j'ai que des bons souvenirs de ma primaire, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai pas... En fait, ma primaire, elle s'est trop bien placée parce qu'en fait, enfin, on se connaissait tous plus ou moins. Plus, c'était une petite ville, donc les parents connaissaient les parents de machin. Donc, dès qu'il y avait un problème, les parents, ils s'appelaient, en gros. Tu vois, il y avait beaucoup de communication, tout ça. Il n'y avait pas, genre, les harcèlements, tout ça, machin. Enfin, il y en avait qui se moquaient les uns des autres, mais c'était pas... Tu vois, c'était pas aussi poussé que maintenant, quoi. Et, bah, d'ailleurs, je vous avais déjà raconté la fois où ils ont cru qu'avec mes copines, on faisait du racket dans les toilettes. Non, mais ça aussi, c'est lunaire. C'est incroyablement lunaire. C'est un truc de ouf. Bah, en fait, on faisait du RP. Et il y a quelqu'un qui est passé... un gamin, et qui a cru qu'en fait on faisait du racket parce qu'on nous avait sensibilisé à ça et tout, et bah très bien, tu vois, c'est normal. Et nous, on faisait pas du tout du racket, en fait, on faisait juste du RP. Et du coup, on s'était fait convoquer et toucher le proviseur. En gros, notre RP, c'était quoi? En gros, il y avait les toilettes des filles, et on s'était dit, bah en fait, ce qu'on va faire, c'est que, tu vois, nous, on était à la porte des toilettes, comme ça. Là, t'avais les cabines de toilettes, là, par là. Et là, il y avait les lavabos. Et nous, on tenait la porte des toilettes et on disait, si t'as envie de faire pipi, tape dans la main et tu rentres, tu vois. C'est pas du racket, on est d'accord. Du racket, c'est quand tu demandes de voler, par exemple, de l'argent ou tu demandes à manger ou des trucs comme ça. Et du coup, avec mes copines, il y en avait une, on disait, viens, on fait de la pub et tout devant les toilettes. Non, mais on était perchés, ok. Ne jugez pas. On était totalement perchés. Et ma pote... En fait, là, il y avait un préau, tu vois, tout là, devant les toilettes, c'était un préau. Et après, par ici, on rentrait dans le hall de l'école et on rentrait dans les couloirs pour aller en classe et tout. Donc là, il y avait le préau, là, il y avait la cour, tu vois. Non, mais non. Là, il y avait la cour. Et nous, on était dans les toilettes comme ça et on disait « Ouais, tape dans la main si tu veux rentrer dans les toilettes et tout. » Et les filles, bah, elles tapaient dans la main, tu vois, il n'y a pas de problème, elles rentraient et tout, elles faisaient leur affaire et bref. Et du coup, ma pote, elle disait « Viens, on fait de la pub et tout. » Et elle courait comme ça en rond dans le préau et disait « Gratuit, les toilettes, venez aux toilettes. Pour rentrer aux toilettes, il faut taper dans la main. Rentrer aux toilettes, il faut taper dans la main. » Et elle courait comme ça, elle courait. Et elle revenait, elle disait, c'est bon, j'ai fait la pub. On était cinglés, on était vraiment cinglés.
Et du coup, à un moment, il y a une gamine, je pense que c'est elle qui nous a balancé, parce qu'elle comprenait pas, tu vois, elle disait « tape dans la main pour entrer », elle disait « nia nia », genre elle voulait pas, tu vois, on disait « non mais tape dans la main et tout, c'est gratuit, t'inquiète, tape dans la main », et elle voulait pas, et je pense qu'elle nous a balancé, et après on a été convoqués chez le principal, let's go. Et en plus j'avais ma mère qui était dans le conseil des parents d'élèves, donc on était quatre, tu vois, et en fait on n'osait pas expliquer, on n'osait rien dire, s'il te plaît, t'es toute petite, t'oses pas dire au principal, en fait c'est vraiment la figure d'autorité, enfin non, dans les écoles c'est directeur de l'école. Dans l'école, c'est la figure d'autorité suprême, le directeur, tu vois. C'est-à-dire quand il arrive dans la classe, on se lève et tout. Et on n'a jamais osé dire notre version des faits. Il a juste dit « Alors, comme ça, on fait du racket, mesdemoiselles, blablabla. Bla, » bla. « Ah, vous, mademoiselle, en plus, votre mère, elle est dans les parents d'élèves, n'est-ce pas ?» Blablabla. Bla, bla, bla. Et nous, on était en mode Tu sais, on n'osait pas dire, en fait. On n'osait rien dire à cet âge-là. T'oses pas ouvrir ta bouche et te défendre et dire « Bah non, en fait, on faisait pas ça, tu vois. On disait juste de taper dans la main et l'autre, elle a pété un câble. Elle a rien compris, celle qui nous a balancé, là. On faisait rien de mal, tu vois. On faisait que du RP, en fait. » Et franchement, j'ai rien dit. Et j'étais en mode « Oh my god, quand mes parents ils vont l'apprendre et tout, ça va être trop la sauce pour moi. » Alors par contre, alors ça m'a choqué, parce que ça veut dire que, imagine, ça aurait été vrai, on aurait extorqué de l'argent ou quoi à la petite fille. Voilà quoi. Mais en fait, ils ont même pas cherché à démêler le vrai du faux. Est-ce qu'on a vraiment volé ou je sais pas quoi? Alors qu'on l'a, on a volé personne. On a rien demandé. On était juste en mode « RP, viens, on fait de la pub pour les toilettes et on leur demande de taper dans la main pour rentrer. » Et au final, ce qui est un peu choquant, alors soit ils se sont rendus compte qu'au final, il n'y a rien qui a été volé, c'était pas du racket et voilà. Ou soit ils se sont dit, bah vas-y, Osef, ça fait partie de l'école, tu vois. Mais en fait, j'en ai jamais entendu parler. Et j'ai été choquée parce que je m'attendais à me faire défoncer par mes parents, tu vois. Ils m'auraient dit, ouais, t'as fait du racket et tout. Et comment tu vas leur expliquer quand t'as le principal de l'école qui appelle pour dire elle a fait du racket et tout, comment tu vas leur expliquer que tu faisais du RP toilette? Tu faisais de la pub. Laisse tomber. Mais en vrai, mes parents n'ont jamais entendu parler. Ça a jamais été plus loin que ça. Donc soit, quand ils ont demandé à la gamine, elle a dit bah non, elles m'ont pas volé, elles m'ont juste dit de taper dans la main. Tu vois, peut-être qu'elle a dit la vérité. Ils ont dit ah ok, lol, trop marrant en fait. En fait, c'était juste qu'elle avait mal interprété, tu vois. Ou soit l'école prend clairement pas ça au sérieux et ils ont dit vas-y Osef lol. Mais ça m'étonnerait, je pense que c'est plutôt la première solution. Après quand j'étais petite je croyais que c'était en mode on nous a laissé partir et tout lol. Mais franchement j'étais à deux doigts de pleurer, j'étais trop mal quand on était en bureau du principal. Parce que surtout je savais qu'on avait rien fait de mal, tu vois, c'est pas... On nous apprend ce que c'est le racket, enfin, tu vois, on a fait de mal à personne, on a volé personne, on a empêché personne d'aller aux toilettes, on rigolait juste, quoi, c'était pas méchant. Donc bref, voilà, du coup, je sais pas. Ouais, non, ils feront pas ça, ils font d'autres trucs, ils font la grève et tout, je te jure. Mais ouais, quelle histoire, hein. Quelle histoire. Quelle histoire! Mais j'étais vraiment une petite fille sage quand même. Hein. Je faisais pas de bêtises et tout. Bah en vrai, même maintenant. Hein. Même maintenant, je fais pas de bêtises et tout. Hein. Bah oui, je respecte. Hein. Je respecte tout, moi. Gros, gros, caillou, caillou. Non, bah, on était des dégénérés, laisse tomber. Vraiment. Hein. Bon, voilà un autre arbre. Tadam. Ça avance, hein, les arbres. Je vais voir l'arbre de Gaël. Ah, ça avance, mais pas vite. Hein. J'ai le temps d'en faire 5. Regardez comment il trash talk mes arbres, regardez. Hein? Oh Taku? Taku, je crois que Gaël, il a fait une usine. Oh Taku? 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 Taku, t'es OP, hein? Taku, t'es OP sur le serveur. Taku, t'es OP. Moi, je serais toi, j'aurais jamais fait ça, Phoenix. Hein. Tu sais pas. Hein. Là, Phoenix, moi, je me lave les mains de ce qui va t'arriver. Hein. Je suis désolée pour toi. Hein. Je suis désolée, mais t'as coup, faut pas rigoler avec lui. Hein. C'est un criminel. Hein. Il va venir te slain. En CB, il y a un type
qui disait que c'était mon amoureux. Il m'a lancé un gros caillou sur la tête. Oh, il faisait l'homme préhistorique aussi ou pas? Ça se peut, hein. Ça se peut, t'as vu, il faisait l'homme préhistorique. T'avais dit, hein. Je t'ai prévenu, faut pas... Quand t'as couillé là, faut martyriser les grenouilles ou quoi que ce soit, hein. Je t'ai dit, hein. Attention, hein. Je croyais que c'était Gaël qui avait fait ça. Les petites abeilles. Trop pipou, tiens. Je t'avais dit, hein. Ils sont mimes sans vrai, les arbres. Je fais des arbres. Voilà. Peut-être mettre des fences aussi. Bah non, je suis en train de mettre des trappes sur les arbres. Elle est trop bien, la musique. Tintin. Bon, hein. Oui, c'était qu'un kick. Non, mais pauvre Phoenix, elle va être traumatisée. Kiss de grenouille. Mais oui, mais c'est horrible. C'est qui, ça, qui a fait ça? C'est moi? C'est moi qui ai fait ça? Ah oui, je crois que j'ai commencé un arbre et j'en ai fait un autre. Non mais attends, mais... Je suis possédée, là. Ça va plus, hein. Oh, je te jure. Caillou, caillou. Salut, Marsupion. Hello, ça va et toi? Caillou. Non mais voilà. J'avais plein de RP bizarres. Hein. Non mais parce que... Bon, voilà... Dans la cour de l'école, voilà. On jouait à plein de trucs. Garçon attrape-fille, c'était trop chiant. Les gars, ils gagnaient toujours, ça m'énervait. J'ai envie de les fumer, eux. M'énervait, les gars. Puis c'est normal, gna gna gna, les filles sont trop nulles, mais tais-toi, toi. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. M'énervait. M'énervait. Oh ouais, c'est vrai, j'ai les shaders, ouais. Tout à l'heure, je build avec. Pas les cailloux! Mais oui, pas les cailloux. On met quoi en feuille? Vous avez une suggestion? Tu vois, je mets toujours les mêmes. J'ai envie de changer un peu. Du chêne. Oak. Dark oak. C'est les mêmes en fait, les dark et les... Je crois, hein. Là, nous. Quoi? Je fais un arbre? Quoi? T'as couillé, j'ai jamais fait des maltraitances. Moi, je balance. Ouais, j'avoue, les boutons, c'est une bonne idée. Sur les arbres, surtout. Genre pour faire, tu sais, les nœuds du bois. Les cailloux. Tout le monde utilise ces astuces, là. En fait, c'est une astuce que j'utilisais, genre, en 2015. Mais maintenant, je suis lassée. Les cailloux au sol. C'est vrai que c'est mignon, hein, mais je suis lassée. Pareil, les plaques de pression. Tu sais, j'ai un peu des périodes, quoi, pour la déco. T'as fini, Luigi? Nice. Faudrait que tu nous montres. Tu mets dans Canal Média du Discord. Ah, faut leur donner un nom aux arbres. J'avoue, les palmiers que j'avais fait à l'époque. La survie hardcore. D'ailleurs, j'aimerais bien la reprendre prochainement, ma survie ultra hardcore. Je sais pas trop. Ou alors je fais un truc FNAF, je sais pas.
Après, si je vous demande votre avis, vous, je sais déjà que ce sera FNAF. Donc, oui. Comment ça boue, Diana? Attention, Diana. Fais pas le fantôme. Hein. Pauvre Diana. Non, en vrai, pas pauvre Diana. Parce que tout à l'heure, elle m'a recouverte de stickers. Donc, non. Pas pauvre Diana. Ouais, Diana, fais genre. Hein. Fais genre. Moi, je crois plus en ton innocence maintenant, c'est fini. Avant, j'y croyais, mais là, t'as été trop, trop matrixée par Gail. C'est fini. C'est fini, là. Ça y est. Il est trop... Il t'a trop influencé. Oh non! Je suis interdit d'ouvrir l'inventaire. Ça va, pendant 5 minutes, en vrai, je pense que... Pardon, je peux gérer. Ah, je sais pas pourquoi, il y a des moments où j'ai des ok, ils sortent de nulle part, ils veulent pas partir. Ça m'énerve de ouf. Ça m'est encore jamais arrivé en live, mais parfois ça m'arrive avant les lives et je suis en mode grave stressée parce que j'ai trop peur d'avoir le ok pendant le live ou qu'il soit resté et tout. C'est trop chiant. Vous aussi, vous avez des ok souvent ou pas? Ça m'énerve. Moi, j'ai fait une survie normale avec ma copine, on a toujours pas de fer, on est mort 1000 fois. Mais non. Mais ça dépend en quelle version t'es. En version genre au-dessus de 1.18, faut que tu mines au coup genre 12-13. Oui, par contre, arrêtez de spam les mobs parce que déjà le serveur il a du mal donc. Je vous ai dit, si vous, si c'est pour faire des bêtises, si vous aidez pas sur la map, vous pouvez déco. Hein. Ça sert à rien d'être co si c'est pour faire n'importe quoi. En plus, tout à l'heure, ça a rollback la map quand ça a des coups, donc bon. Bon, pas de longtemps, mais on va éviter de faire des crashs parce que. Si ça rollback ce qu'on a fait, c'est chiant. Bah, en fait, j'essaye tous les trucs, Quentin, tous les. Les astuces là pour enlever le hockey, ça marche pas. Hein. J'ai essayé de pas respirer. Bon, au bout d'un moment, j'allais mourir donc. Donc voilà quoi. Salut Team Prime, hello. J'ai essayé de boire la tête en arrière, boire la tête en bas, boire en retenant sa respiration, boire de façon doucement, parce qu'il y a beaucoup d'astuces qui disent de boire. J'avais essayé de faire quoi? De prendre de l'air et le garder. J'avais essayé aussi de respirer, genre doucement faire. Et relâcher l'air tout doucement, doucement, doucement. Ça marchait pas. Enfin, oh là là, j'avais fait des trucs de ouf, ça marchait pas, quoi. Je te jure, je pétais les plombs. Parce que des fois, ça fait mal en plus le hockey parfois. Hein. Quand tu le retiens et tout, ça fait mal. Du coup, ça m'énervait. J'ai ouvert l'inventaire ou pas? Je sais plus. Est-ce que j'ai ouvert mon inventaire? Je crois pas, hein. Faut respirer vraiment doucement. Ah ouais. Mais je crois que j'ai pas la patience aussi. Des fois, quand tu retiens ta respiration, il se coupe, et ok. Mais dès que tu reprends ta respiration, il revient. C'est insupportable! J'ai testé tous les tutos, je sais pas comment faire. Vraiment, hein. J'ai tout testé. Et s'il y a une fois un truc qui a marché, c'est ma tante, elle me disait « Ah oui, elle a le hockey, vite, il faut trouver une clé. Cherche la clé, là, il faut lui mettre dans le dos. Il faut lui mettre la grande clé dans le dos. » Du coup, j'étais en mode « Ah ouais, toi ?» Mais c'est le genre de truc qui marche qu'une fois. Parce qu'en fait, c'est le fait que je cherchais, du coup, la clé dans le dos. Enfin, déjà, je disais, mais pourquoi mettre la clé dans le dos et tout? Qu'est-ce que ça fait et tout? Je me disais, c'est peut-être un truc magnétique, tout ça, tu vois. J'étais en mode, vraiment, je cherchais et tout. Et elle m'a dit, bah, c'est bon, tu l'as plus. Et je disais, mais quoi? Mais c'est de la magie et tout! Ouais, le pain, j'ai déjà essayé, ouais. C'est de la magie et tout. J'avais plus le hockey. En fait, c'est le fait de chercher pourquoi la clé, de chercher la clé et tout, qui a fait que ça a arrêté mon hockey. Et je sais vraiment pas pourquoi, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Faut pas y faire attention pour qu'il parte, ouais. Je sais pas, hein, je sais pas si c'est... Si c'est...
aléatoire, enfin si c'est un truc random ou si c'est vraiment prouvé, ça m'étonnerait. S'il y avait une astuce vraiment prouvée pour arrêter le hockey, à mon avis tout le monde la saurait. Donc ouais, après ça dépend peut-être du type de hockey. Apparemment le hockey c'est quand ton diaphragme il est trop bas ou je sais pas quoi, il se bloque et voilà, ça te fait des secousses pour le débloquer en gros, mais ouais. Bizarre. Hein. Bizarre. T'inquiète, t'inquiète, on n'est pas en cours d'orthographe. Hein. Tu sais, moi, je suis pas du genre à trash talk les viewers parce qu'ils font des fautes, tu vois. Ça, c'est vraiment... tu sais, quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, que t'as un... Le seul argument que t'as, c'est « Ouais, apprends à écrire avant », bon... Bon, après, quand je fus jeune, j'ai eu cet argument à un moment, mais... Mais c'est pas bien, parce qu'en vrai, tu juges une personne alors que ça se trouve, elle est dysorthographique ou on sait pas, tu vois. Et ça veut pas dire parce que quelqu'un sait mal écrire que... Enfin, que quelqu'un ne fasse des fautes, que c'est une mauvaise personne ou je sais pas quoi, ou qu'il est pas éduqué en vrai. Il y a plein d'autres raisons, tu vois. Donc bon, moi je suis pas du genre à juger. Après, il y a des gens, je sais que j'ai vu des streamers qui bannent leurs viewers qui font des fautes. Je suis en mode, oh my god, grammar nazi, in the house là, n'importe quoi. Salut Wolfie! Hello! Nouvelle sur Minecraft? C'est vrai? Trop bien. Tu viens de commencer à jouer récemment? Trop cool. Moi j'avais le hockey en cours. La prof en a profité pour faire un cours sur le hockey. Oh purée. Ça c'est le genre de truc qui m'aurait fait stresser parce que moi j'aimais pas avoir de l'attention et tout. Genre être le centre de l'attention, ça me stressait un peu quoi. Et ouais. Doit avoir personne sur son live, bah que des gens comme lui, je pense. Après, tu sais, en vrai, il y a tellement de personnes différentes que n'importe quel public, tu vas trouver des gens, en fait. Tu vois? Tu vas trouver des gens qui te ressemblent ou à qui ça parle, tu vois? Donc en vrai, voilà. Moi, ça me parle pas et c'est pas dans mon éducation de, tu sais, rabaisser les gens ou les virer sous prétexte que ceci, cela, mais... Ouais. Prétexte qu'ils écrivent mal, je trouve ça un peu discriminant, en fait. Parce que, tu vois, par exemple, mon père, il a travaillé toute sa vie et il sait pas écrire. Il écrit hyper mal. Donc, voilà. Ça n'empêche pas que c'est quelqu'un d'éduqué et voilà. Mais mon père, il sait pas très bien écrire, tu vois. Et ça veut rien dire, hein. Il y a plein de gens qui écrivent mal et qui savent pas très bien écrire, mais... Pas pour autant qu'ils ont pas de bonnes valeurs ou qu'ils sont mal éduqués ou ceci, cela, tu vois. Et puis, vous savez quoi, hein, tout le monde fait des fautes. Hein. Moi, j'ai beau avoir fait une filière et un cursus de lettres, je fais des fautes. Hein. Et il y a des trucs, il y a même des fautes que je fais tout le temps, quoi. Et que même avec la correction, j'arrive pas à les corriger en fait. Et des fautes chiantes, hein, mais voilà. Donc bon, ça arrive. Hein. Après, j'essaye de pas en faire et tout. Je fais attention, par exemple, sur les miniatures de vidéos ou les titres de live et tout. Je fais attention, j'essaye de pas en faire, mais on en fait tous. En plus, le français, c'est quand même une langue assez complexe à maîtriser, donc ouais. Après, j'essaye vraiment d'en faire le moins possible, mais. En vrai, le principe d'une langue, c'est qu'on arrive à se comprendre. Surtout dans le chat de live, on n'est pas à l'école, on n'est pas là pour... voilà quoi. Après, parfois, j'avoue qu'il y a des abonnés, je comprends absolument rien. C'est compliqué des fois, la communication. Là, c'est différent. Quand je comprends que c'est même pas un mot, en fait, qui existe, là, c'est autre chose, tu vois. Des fois, je leur dis, enfin, vérifiez votre correcteur orthographique avant... Parce que des fois, sur téléphone, sur tablette, ça met des mots à ta place ou ça corrige avec des trucs. Et je comprends rien, tu vois. Après, ça, c'est vraiment un frein à la communication. Quand je comprends absolument pas. Par exemple, je sais pas, un mot genre... Bon, j'écris Diana parce que j'ai vu Diana, mais... par exemple, je sais pas... ça, tu vois. Quelqu'un qui écrit ça, je vais pas comprendre. Donc, si je comprends pas, je peux pas répondre, tu vois.
Bon, on en est où au niveau des arbres, là? Ça avance? Alors, il y en a un à faire là, un à faire là. Ok. Là, il y en a 3-4 à faire. Bon, lui, en vrai, pas obligé, parce qu'il y en a un là. Lui, on peut l'espacer un peu aussi. C'est histoire de remplir, en fait, les coins de map, quoi. Oh! Oh! Trop mignon, le cœur! Merci! Trop chou! Mathis! Trop mignon! Trop chou! Donc, ouais, après, bon, peut-être en faire un là, genre. Après, je sais pas, on fait voir quand on se promène sur le chemin. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu vide ici. Je vais en faire un là. En fait, le but, c'est que quand les gens ils se promènent sur les chemins, ils voient des trucs sympas, quoi. Même si c'est concentré autour du village, voilà, quoi. Après, le but, c'est pas qu'ils sortent trop du village, donc yes. Tu sais, d'ailleurs, en parlant des streamers qui bannent les gens qui écrivent mal et tout, en fait, moi, ce qui me fait bizarre, c'est qu'il y a des gens sur Internet qui détestent vraiment les enfants et tout. Genre, dès qu'ils voient un plus jeune... Alors, en plus, dans des communautés Minecraft, tu sais forcément que t'auras des joueurs assez jeunes. Et t'en as qui sont en mode « Oh non, c'est un gamin !» et tout, tu sais, qui les méprisent et tout. Mais toi, t'étais quoi, en fait? Avant, t'étais un gamin aussi. Enfin, genre, calme-toi, tu vois. Après, je comprends que des fois, il y a des petits qui sont un peu prenants, qui sont un peu relous. Et quand t'as juste envie de jouer, bon, bah, des fois, voilà. Mais je veux dire, tu sais très bien qu'il va y avoir des enfants sur un serveur Minecraft. Enfin, je veux dire... surtout dans certaines communautés, voilà, quoi. C'est des communautés... Par exemple, de youtubeurs Minecraft qui parlent à un certain public, tu sais qu'il va y avoir des enfants, quoi. Ça sert à quoi d'être malveillant et tout? C'est trop méchant. Genre, il y a même des gens qui jugent... Non, mais ça, mais moi, ça me rend ouf, par contre. Les gens qui viennent juger, justement, les plus jeunes et tout, ou même les ados, tu vois, qu'on... par exemple, les garçons qu'on la voit en train de muer et qui sont en mode « Non, encore un gamin et tout, t'as vu ta voix, machin. » Mais vous étiez quoi, vous, avant? Mais c'est dégueulasse! Parler comme ça aux gens, là. Hein. Ça m'énerve. En fait, pour moi, c'est de l'intolérance et ça passe vraiment un cap qui... Moi, je supporte pas. Je supporte pas. Parce qu'en fait, lui aussi, il a été un gamin à un moment et les gens étaient gentils, tu vois. N'importe quel jeu, il y aura des enfants, ouais, ouais. Je trouve ça trop méchant, quoi. C'est... Je trouve ça hyper méchant de... Déjà, ok, tu peux le dire. Genre, ça peut t'embêter et tout. En fait, il y a un truc entre... Ok, ça t'embête un petit peu parce que t'as envie d'être tranquille et tout. T'as envie de parler entre adultes, machin. T'as pas envie de faire attention à ton langage et tout. Et il y a ça. Et tu le dis pas, tu le gardes pour toi. Mais voilà, quoi. Tu sais que la prochaine fois, bah, tu viendras peut-être pas en vocal ou tu vois. Tu te dis ça à toi-même. Et il y a une différence entre ça et le dire directement à la personne et faire des remarques genre déplacées et tout. Dire « Oh, encore un gamin, nanana, t'as vu ta voix et tout. » Il y a vraiment une différence. C'est vraiment une preuve de malveillance, tu vois. De venir le dire à un enfant, de lui dire « T'as vu ta voix ?» Bah, tu t'attends à quoi? C'est un enfant, enfin... Enfin, même, c'est un ado, tu vois. C'est normal que sa voix est en train de muer et tout, machin. Enfin, c'est quoi le problème? Tu vois. Et ça, c'est vraiment... C'est un témoignage de... Vraiment de méchanceté gratuite, quoi, et de volonté de nuire à la personne. Parce qu'il y a vraiment, tu sais, un truc qui te gêne, tu peux juste te taire et ne pas en parler. Et garder ça pour toi et tout, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais venir, en plus, dire devant la personne, déjà, dire dans le dos, c'est un peu dégueu, tu vois. Moi, j'évite les personnes qui parlent dans le dos des autres, j'aime pas. Je trouve ça dégueu. Mais en plus, le dire à la personne, il y a vraiment une volonté d'être méchant. C'est de la méchanceté gratuite. Il y a une volonté de blesser et tout. Je supporte pas ces gens-là.
Ah, ça me dégoûte. Je vous jure, ça me dégoûte. Déjà, c'est un manque de tolérance et en plus, c'est une volonté de faire mal, quoi. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je vous jure. Ça me... Hein, pour moi, un mec comme ça, qui a des réflexions comme ça, il mérite une claque. Je vous jure. Il mérite qu'on refasse son éducation, là, parce que... Vraiment, c'est purement gratuit et c'est juste méchant. C'est très méchant. Donc, bref. En plus d'être un manque de tolérance, évident. On est tous pareils, peu importe les différences, on est tous des êtres humains. Mais surtout, enfin, ok, maintenant t'es un adulte, mais toi aussi t'as été un enfant, toi aussi t'as mué. Ton gosse, plus tard, quand il ira sur les jeux vidéo, tu vas lui dire quoi? Si un mec lui dit ça? Franchement, hein. Moi, je crois, faut pas que je sois maman, parce que moi, je crois, je lui rentre dedans, mec. Je crois, je prends son adresse et... Je te jure. Je te jure. Je crois, faut pas que j'ai des enfants, parce que je crois que je serais trop protectrice avec eux. J'aurais envie de leur casser les dents, les gens, quoi. Si j'apprends un jour que mon enfant, genre, il est harcelé ou quoi, mais je péterai un câble, hein. Mais je convoque, moi, la famille du gamin, hein. Je convoque sa famille, hein. Ça me rendrait ouf, vraiment. Déjà, rien que d'y penser, ça me rend ouf, alors j'imagine même pas être dans la situation. J'imagine même pas ce que les parents peuvent vivre, quoi. Donc, ouais. Salut, Louis, ça va? Je te jure. Moi, je lui arrache la tête. La violence, quoi. Aïe, aïe, aïe. moi, j'ai réagi très mal aux insultes. Bah, je comprends, en vrai. Hein. Je comprends. C'est un manque de respect d'insulter, déjà, de base. T'insultes quelqu'un, c'est que, je sais pas, à un moment, il y a un petit problème dans ton éducation, quoi. Surtout si t'insultes gratuitement, quoi. Enfin, je veux dire, bon. On t'a rien fait, si tu commences à insulter les gens, un problème d'éducation, quoi. Genre, je sais pas... Retourne faire ton éducation, quoi. Je sais pas, c'est... Ouais. Problème, hein. Il y a des gens, hein. Tous les jours. Alors, moins sur Twitch, parce que sur Twitch, on a un petit comité et tout. Mais sur YouTube, quand je fais les lives YouTube, les insultes, il y en a... Il y en a énormément par live, hein. Vous vous rendez pas compte, parce que les modos, ils font un bon taf, mais... Moi, ça me passe au-dessus, quoi. Je me dis juste, c'est des gens complètement irrespectueux. Et voilà, quoi. Et tant mieux, comme ça. Tant mieux qu'ils insultent, comme ça, on les banne et on les revoit plus jamais sur la chaîne. Vaut mieux, en vrai. Parce que moi, je veux pas de ces gens-là chez moi, quoi. Je veux pas de ces gens-là dans mes viewers. Je veux pas de ça, quoi. Des gens qui insultent gratuitement, comme ça. On t'a rien fait, t'es... Tu passes par là, t'insultes, bah, dégage, en fait. On veut pas de toi, quoi. On veut pas de toi chez les brocos. Donc, ouais. Moi, on m'insulte parce que je suis pas normale. Non, mais faut arrêter avec ça aussi. Y a pas de normes, en fait. Y a pas de normes de... Je sais pas quoi. On est tous des individus différents. On a tous... On est tous différents. Y a personne qui est normal, en fait. Y a pas de normes. La norme, c'est ce que vous mettez dans votre tête. Vous savez, il y a une époque, la norme, c'était que tout le monde... Que tous les hommes doivent épouser une femme, que toutes les femmes doivent épouser un homme, que les femmes doivent rester à la maison, qu'elles doivent pas travailler, qu'elles doivent porter uniquement des jupes et pas des pantalons. Il y a une époque, c'était ça la norme, entre guillemets. Donc, en vrai, non. Et t'as toujours des gens qui... T'avais des femmes qui portaient des pantalons, t'avais des femmes célibataires... T'avais des hommes célibataires, donc, tu vois, on s'en fout. Tant que t'es heureux, tant que t'es bien, on s'en fout de savoir si t'es normal, pas normal, je sais pas quoi. Tant que tu fais du mal à personne, on en a rien à secouer de ce que les autres pensent de toi. Peut-être que pour eux, t'es pas normal, mais en vrai, est-ce que t'as envie d'être juste comme eux, ils veulent? Bah non. T'as juste envie d'être toi-même, quoi, et de kiffer. Tant que tu fais du mal à personne... Et que ça concerne que toi, je vois même pas pourquoi les gens ils viennent se mêler de ta vie. Ils en ont rien à secouer. Donc franchement, je... Ouais. Je... Non.
Faut à un moment, faut apprendre à s'en foutre hein, de ce que les gens pensent de toi. Hein. Après, je te dis pas d'être complètement irrespectueux, d'aller insulter les gens et tout, de s'en fiche des normes sociales parce que c'est vital, on est des créatures sociales, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'avoir des amis, on a besoin d'avoir une famille, etc. Mais à partir du moment où les gens te jugent et estiment que tu n'es pas normal, bah dégage en fait, genre... tu veux quoi avec moi? Si je suis pas normal, je vais pas être comme toi tu veux, je suis comme je suis et voilà. Basta. Soit tu l'acceptes, soit tu dégages. Voilà. C'est comme ça. Enfin, après, c'est ma vision, hein. Vous faites comme vous voulez, mais... franchement, est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'être quelqu'un d'autre que toi? Juste pour plaire aux gens. C'est ta vie à toi, c'est pas leur vie à eux. On s'en fout d'eux. T'as pas à faire... t'as pas à changer pour plaire aux autres. Si toi, tu estimes qu'il y a des choses dans ton caractère que tu trouves pas terribles et tout, que t'aimerais t'améliorer, ok, ça marche. Mais de là à ce que quelqu'un vient te dire « Non, mais fais plus ci, comme ci, parce que je veux que tu sois comme ça, parce que moi, je me sens bien », bah non, en fait. Juste non. Voilà. On s'est moqué de moi parce que j'ai une dent cassée. Non, mais ça, c'est... de toute façon, toutes les moqueries basées sur le physique... je comprends pas. Est-ce que t'as choisi d'avoir une dent cassée? C'est crétin. Tu peux critiquer hein, le choix de quelqu'un, je sais pas. Tu peux rigoler sur que... enfin, avec bienveillance. Mais voilà. C'est un peu bon, voilà. C'est un peu débile. Hein. Salut Dark Knight. On fait une map, puis on papote en même temps. Là, on est en train de faire les arbres custom. Ta-da! Arbres custom. Du fait, pour qu'en fait, quand on est sur les chemins du village, on n'ait pas genre un visuel pas ouf. Là, vous voyez, c'est sympa comme visuel. Bon, les petits arbres et tout, machin. Quand on est sur les chemins, c'est quand même plus agréable, quoi. Je pense qu'on comprend que là, on sort du village, tu vois. Donc, ouais. Faut rester soi-même et s'accepter. Bah après, ça dépend. T'sais, en vrai, on a tous des trucs en nous qu'on n'aime pas. Je pense que les plus gros critiques avec nous-mêmes, c'est avant tout nous-mêmes. Il y a toujours des trucs qu'on n'aime pas chez nous. Et on va essayer de les changer, tu vois. Faut essayer de travailler dessus. Par exemple, moi, je suis pas patiente du tout. J'avoue que je travaille pas sur ça en ce moment. Parce que d'un côté, j'ai l'impression que ça gêne plus les autres que moi. Donc pour le moment, c'est pas ma priorité. Néanmoins, c'est un trait de mon caractère que j'aimerais bien aussi faire évoluer avec le temps. Je suis absolument pas patiente. Et parfois, je ressens que chez les gens, ça peut les gêner, tu vois. Parce que parfois, au cours d'une discussion, si j'ai compris l'idée globale que la personne veut me dire... et que j'ai pas envie, en fait, d'attendre le temps qu'elle explique, tout ça et tout, bah des fois, je vais passer à une autre question, tu vois. Et ça, c'est pas forcément agréable pour la personne en face. Alors que c'est juste que je suis pas patiente, en fait. Ok, j'ai compris ce point-là, j'ai compris ton point de vue, donc j'ai envie de passer à autre chose, tu vois. C'est pas méchant, mais je me rends compte que des fois, ça peut être un peu mal interprété, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, ce trait-là de moi... si je suis consciente que c'est un problème pour moi et pour les gens qui m'entourent, et que je peux agir dessus et le changer et le modifier, bah why not, tu vois? C'est pas un problème. Genre je vais pas dire non, juste acceptez-moi et je m'accepte comme je suis. Bah non, parce que ça en soi je peux le changer, tu vois? Je peux faire des exercices, je peux faire de la méditation, je peux faire des choses en fait qui vont m'aider à prendre conscience de quand je switch sur ce mood-là, et juste à devenir une meilleure version de moi-même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En soi, c'est pas mal de vouloir s'améliorer. Faut pas non plus dire non, bah, je dois tout accepter, même mes défauts, même tout. En soi, s'il y a des choses vraiment qui te gênent et que t'arrives à les changer, bah pourquoi pas les changer, tu vois? Je sais pas. Donc pour moi, tout est dans la mesure, en fait. C'est pas juste je vais 100% m'accepter et m'aimer et tout. Forcément des trucs que tu peux améliorer. Et c'est pareil dans tout en vrai, hein. Même dans le build, dans, tu vois.
T'as un truc que t'aimes pas, bah essaye de le changer, quoi. Voilà. S'y arrive, tant mieux. Déjà, prendre conscience de ce que tu fais mal, ou c'est déjà une énorme étape, hein. Parce que c'est pas facile d'avoir du recul sur ce qu'on fait. Là, mon arbre, tu vois, peut-être que dans 2-3 jours, je vais le revoir. Je vais me dire, ah, donc là, il y a ça qui va pas, ça que j'aurais pu améliorer et tout. Donc, ouais. La raison de ton théoliorex ? Soit t'as mis trop d'emojis, soit t'as pas respecté les règles globalement. Voilà. Par contre, le chat du live est pas là pour faire « Oh, pourquoi j'ai été Théo et tout, gna 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 ?» Genre, on n'est pas là pour donner ton historique de sanctions. On est en live, là. On fait autre chose, tu vois. T'imagines si tout le monde, genre, admettons, tous les gens, à chaque live, devaient demander leur historique de sanctions. Enfin, c'est relou, quoi. Stop. Juste stop. C'est relou. C'est quoi, Théo, time out ? C'est quand, en fait, quand t'es expulsé du chat pendant un certain temps, parce que, par exemple, je sais pas, t'as spamé les émotes, ou tu vois, t'as fait un truc que le bot a pas aimé, ou alors t'as fait du backseat, ou alors t'as fait des trucs pas cool, quoi. Donc voilà. Comment ça, je suis cruelle ? Je suis pas cruelle, moi, non, mais yo. Les modèles existent, je suis cruelle. Moi, je suis pas cruelle, hein. Ok, bon bah je crois qu'on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui, il restera des arbres à faire. J'ai fait moi la maison de sorcière aujourd'hui. En vrai elle est cool, je pense que ouais. Je pense que vous aurez raison, les gens ils comprendront que c'est la maison de sorcière. Donc yes. J'ai un problème. Du coup samedi je sais pas si on continue la map, hein. S'il reste que la taverne en fait à build. Il reste que... Enfin, le gîte à construire. Et après, c'est juste des arbres et faire les décos, là, comme j'ai fait. Donc, en vrai, je pense qu'on sera pas nombreux samedi. Yes. Ce sera juste du peaufinage. Et ensuite, par contre... Alors, il y a pas mal d'arbres à faire encore, mais ouais. Je sais pas si je le... Je sais pas si on fait ça en live samedi. On verra. Il y a le toxique qui a pas mal amélioré aussi le côté ferme. Il a fait un silo et tout. Ah, il est trop cool, son tracteur. Il est magnifique. Il est trop bien, ton tracteur. J'adore. Trop cool. Vraiment, il est cool. Regardez son tracteur. Il est trop cool. Je kiffe. Je kiffe. J'adore. C'est trop bien. Regardez, c'est trop bien. Mes arbres, c'est une honte. Mais non, c'est pas grave. Trop cool, le silo et tout. Il a mis quoi, du coup, dans le silo ? Hein, il l'a fermé ? T'as mis des trucs ou pas ? Ah ouais, trop cool ! Ah, ça rend trop bien, en vrai, avec la mangrove et tout. Trop bonne idée, les routes. Très, très bonne idée. Oups. Trop, trop cool. Nice. Ok. Donc, ouais, je verrai samedi en fonction. Parce qu'à mon avis, là, je vais devoir passer sur l'écriture des quêtes. Et en vrai, les arbres custom, ça se fait vite. Hein. Et bah, il manque le gîte taverne, quoi. Mais ça, on peut pas trop travailler à 50 dessus. C'est un gîte pour animaux, quoi. Oh, Gaël, ton arbre est de toute beauté. Vraiment, il est magnifique. Je m'attendais pas à ça, Gaël, mais c'est joli. GG. Ok, bon, je vais pouvoir délaisser la palette, je pense. Ok. Merci! Merci, Kitsi. Kitsi ou Kitsu? Je sais jamais. Je serai là samedi avec ma monnaie. Mais non, merci beaucoup. C'est hyper généreux. Du coup, il faudra juste faire d'autres arbres. Là, je sais pas si... Peut-être un là, mais peut-être pas là. Et puis voilà, on a bien avancé quand même. Regardez la map, c'est fou, hein. Pour ceux qui ont suivi dès le début, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'avec les lives, vous avez vraiment toute l'évolution du village. Donc, c'est trop, trop cool. Les quêtes, peut-être que j'en garderai secrètes, certaines. Et je pense que je partagerai le doc avec... je pense que je vais écrire un doc, je sais pas quand. Bah, limite, samedi, peut-être on écrit le doc, je sais pas. J'aimerais bien commencer une série modée aussi en live. Genre un autre Better MC ou un truc comme ça. Je sais pas trop, on verra.
Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci énormément. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'ai ma voix qui est en train de me lâcher, là. Ma gorge, elle est trop irritée, quoi. Je suis trop fatiguée. Merci beaucoup, tout le monde. Je sais pas, Mathis. Franchement, je sais pas. Bah, sur ma chaîne secondaire, hein, la chaîne des rediffs. Mais ouais. Peut-être que je ferai une vidéo YouTube sur ma chaîne officielle. Voilà. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Kitsé pour les bytes. Merci Twitter pour le raid. Merci beaucoup. Merci Nicolas aussi pour le prime. Merci Benji pour le prime. Merci Corbac pour les subs offerts. Incroyable. Merci The Prof pour les bytes. Merci Gaël. Merci Diana. Merci Oulmat. Merci Glax pour le resub. Merci beaucoup à tous. Je vous fais des bisous. Et puis, ouais, on voulait un petit raid. Attends, je vais voir. Je vais voir s'il y a des gens à raid. J'avoue, comme ça vous fait des points de chaîne en plus. Oh, j'ai laissé l'audio. Ça m'a fait peur. Ça me fait peur de fou. J'entends un mec qui fait un 1. Aïe aïe aïe. Ok, on va chez qui? En vrai, y a pas grand monde sur AMC là. On va aller chez Soul, ça fait longtemps. On va faire un petit coucou à Soul. Je sais pas à quoi il joue. Il joue toujours à des trucs incroyables. Il joue toujours à des modes. Je sais pas d'où il les sort. C'est incroyable, c'est des modes. Je crois que je pourrais pas y jouer en plus. Hein. C'est incroyable ces modes là. Ils ont l'air hyper complexes. C'est du Minecraft modé plus quoi. C'est insane à chaque fois. J'ai l'impression qu'il joue pas à Minecraft à chaque fois. C'est incroyable. Vraiment. J'ai l'impression d'arriver dans un autre univers. C'est fou. C'est fou le modé. Voilà. Du coup, on va chez Soul. Je vous fais des bisous. Le serveur va fermer, hein, dans la soirée. Merci à tous d'être venus aider. Merci bien. Et, bah, écoutez, on se retrouve, du coup, ce samedi, je pense, pour continuer. Je sais pas trop, en vrai. On verra. Et, plein de bisous. Bonne soirée, tout le monde. Amusez-vous bien chez Soul. Des bisous. Bye bye. Bonne soirée et à samedi 18h-21h pour le prochain live. Bisous.